Eh bien le bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Minecraft RP. On a du pain sur la planche. Salut Anto dans le chat, salut Super Merwan, comment ça va, bienvenue à toi. C'est la première fois que tu viens et on te souhaite la bienvenue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode? Dans le dernier épisode, on a des étranges habitants qui sont venus nous voir. Et ils préparent une petite soirée dont je suis le principal invité. Donc, je m'attends au pire. Donc là, je suis positionné sur la dernière construction en date, c'est-à-dire un zoo qui est actuellement construit par Anto et Syver. Syver, premier adjoint du One World. Et c'est très beau. Salut Walibi, salut Redin de Redemption, comment ça va? Très très beau, très très beau. On va faire un petit tour de map en ce début de... en ce début d'épisode avec un magnifique palais comme vous le savez. Qu'est-ce qu'il est beau notre One World, qu'est-ce qu'il est beau. Franchement quand j'ai commencé à faire... Oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un sexe sur la statue. Il s'agit bien d'un sexe. Magnifique. Magnifique, rien à dire. Le One World. Magnifique. 200 heures, plus de 200 heures de travaux sur cette map. On en a fait du boulot, je vous le dis, on en a fait. Un théâtre, une avenue, une horloge, extraordinaire. Extraordinaire, une arène bien entendu, une pagode au fond. Et 70% de la map a été construite en créatif, et ça c'est beau. Ça c'est beau. Magnifique. Magnifique. Il y a une petite mage de... Il y a une petite mage qui est plutôt pas mal. Puisque j'ai l'impression que le jeu est assez... est quand même perdu en fluidité, mais il a gagné en distance d'affichage, j'ai l'impression. À première vue. Bon, c'est parti. On va aller discuter un peu avec les personnes présentes. Et comme je n'ai pas allumé le Discord, je ne suis pas en vocal, je vais rejoindre le vocal. Et ensuite, ben, comme diraient des collègues, yalla. Alors, hop, retournons au sol, bien entendu. Oh, ben c'est Monsieur Baptiste, il est là ce soir, Monsieur Baptiste. On va rejoindre... Personne n'est dans la Warm Room ce soir. Non, ils sont peut-être en général. Non, même pas. Même pas, je suis assez surpris. Personne n'est en vocal. Je pense qu'ils vont rejoindre d'ici peu. On verra bien. Alors, Walibi me dit, au moins maintenant, on sait que tu es un homme. Pourquoi tu dis ça? Monsieur Baptiste est où, Monsieur Baptiste? J'ai cru voir Monsieur Baptiste à un moment donné. Mais il n'est pas là. Très bien. Il n'est pas là. Alors... Super Marwan, je sais pas si t'es encore là dans le chat, mais tu sais que tu peux nous rejoindre. Hein. Aucun problème si tu as le jeu. Si tu as le jeu et que... Et que tu joues en Bedrock, tu me donnes ton pseudo. Il suffit juste de follow la chaîne et tu nous rejoins. Alors... On va envoyer les invitations. C'est bizarre, Docteur Nintendo n'est pas là. Donc, voyons voir. On va envoyer les invites. Gamertag, Minprod, Perturbator. Ça, c'est pour tous ceux qui sont connectés sur...
Voilà, ça c'est fait. On va passer en 7 max player. Sheng Zhao est là, c'est parfait. Alors le 7 max player, on va passer, on va monter, on va mettre à 10. 10 et on verra après s'il y a du monde en plus qui rejoint. Parfait. Ou un Enderman. Un Enderman. Et ça bug un peu, j'ai l'impression, au final, finalement. Il est où? Il est là. Et bizarre, elle est étrange quand même, cette... Ce mob est assez étrange, hein, faut le dire. Ce mob est assez étrange. Qui on a? Docteur Nintendo n'est pas là ce soir, c'est bizarre. Game Sabir, Trappy, on va inviter. Et Muscle Sign n'est pas là non plus. Docteur Nintendo. Crinofab. Saver. Ok. Ah, tiens, il y a du monde. On va discuter un petit peu. Qui est devant moi? Ah, mais c'est Monsieur Baptiste. Mais comment allez-vous, Monsieur... Monsieur Boba Fett? Vous m'entendez? Oui, bien sûr que je vous entends. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Très bien, très bien. Et... ça me fait plaisir de vous revoir, Monsieur Baptiste. Oui, je ne pouvais pas être présent la fois dernière, mais j'ai cru entendre que vous... qu'il y a un zoo encore en construction. Oui, tout à fait. Nous pouvons aller visiter cela ensemble, si vous voulez. Venez. Venez, voilà. Bien sûr, bien entendu. Allons voir ensemble à quoi ressemble ce zoo. Vous allez être très, très impressionnés du travail de Monsieur Anto et de Monsieur Saver. Allez-y, allez-y, passez, je referme derrière vous. Alors le mieux, c'est de passer par la droite du palais, puisque le chemin qui amène au zoo n'est pas encore terminé. On me dit... Bon, il y a Anto qui me dit dans le chat que Saver va arriver. Problème de Switch pour Docteur Nintendo. Oh malheur, ça y est. On est... Un petit problème de Switch. Alors... On va passer par là. Est-ce que ce chat fait partie du zoo? Il s'est peut-être enfui, hein. Ah non, il fait pas partie du... Il fait pas partie du zoo. Non, non, non. C'est le chat de... De Hooper. Je crois que c'est un lion. Voilà. Montrez-moi vos capacités à l'arc. Montrez-moi. Attendez, reculez, c'est trop facile d'ici, c'est trop facile. Reculez encore. C'est une arbalète. C'est une arbalète, reculez encore. Montrez-moi vos talents, parce que n'oubliez pas que je vous ai demandé des contrats d'assassinat. Hein. Je veux voir ça de mes propres yeux. Allez-y, je vous en prie. Oh, c'est très très bien joué. Bravo. Bravo, Monsieur Baptiste. Je ne me donne pas le mérite, il bougeait pas. Je ne manquerai pas de vous demander des contrats. Alors là, avec ce que j'ai vu... Là, par contre, j'ai rien vu. Là, j'ai rien vu. Là, vous avez rien vu. Oui, là, j'ai rien vu, là, oui. Là, j'ai rien vu, Monsieur Baptiste. Parce que là, faut pas trop déconner non plus. Je vais vous prendre rendez-vous chez Afflelou, là. Hein. On va pas trop déconner non plus, hein. Bon, allez, le zoo. Allez, le zoo.
On a fait construire des rails pour marcher à pied dessus, hein. Ou c'est un peu con, hein. C'est parfait, ça. Attention, il y a un golem qui arrive. Faites attention. Essayez de le shooter. Essayez de le shooter. Comment ça, le choper? Ah, le shooter. Le shooter. Attendez, quand je vous dis top. Quand je vous dis top. Attention, on va voir. Test d'acuité visuelle. Attention. 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 Maintenant. Ah, c'est un peu loin, là. Maintenant. Ouh, c'était pas mal. C'était pas mal. J'ai vu que vous avez fait un tir courbe. Un tir courbe. Ah, alors là, forcément. Le but, c'est de sauter dans le lac. Hein. On n'a pas le choix. Je vais essayer de viser le lac cette fois-ci. Ah. Ah oui, vous avez réussi. Vous avez réussi. Magnifique. Alors... direction, vous voyez les constructions là-bas, sur la gauche. Alors venez, suivez-moi, comme ça je vous montre où est l'entrée exactement. Vous allez voir le travail qui a été fait est vraiment très très joli, très très joli. Donc l'entrée sera là. L'entrée sera là, elle mènera directement sur une entrée de métro. Ah oui, tout le à fait. Le métro qui sera relié par tout le Wormhole. Tout à fait. Si vous voulez, on peut descendre. Ouais. Regardez là. Je vais vous montrer que la plupart du gros œuvre a été effectué. Le tunnel a été fait et ça rejoint au bout la ligne de métro centrale. Et donc, on va déboucher ici. Bon, par contre, ça fait beaucoup d'escaliers, il faudra qu'on mette des marches, là, parce que j'ai des ampoules aux chaussures à force de sauter, là. Voilà, parfait. Donc, l'entrée est ici, la billetterie. Vous voyez que c'est très très joli, ça a été décoré avec amour et compassion. Je peux voir ça. C'est plutôt joli, hein. C'est plutôt joli. Ils ont fait ça bien. Donc on arrive sur des grandes zones ouvertes où les animaux baladeront comme s'ils étaient en liberté dans la nature. Et ça, c'est beau. Une sorte de safari. Bon, après, si on pouvait éviter de mettre les lions, parce que j'ai pas envie de les viser. Vous avez vu ce que ça a fait juste avant sur les chats. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai vu vos performances de visage. Elles sont parfaites, d'ailleurs. Oui, clairement. Ce n'était qu'une petite erreur, là. On prendra pas ça en compte. Non, je n'ai rien vu. Je vous ai dit que je n'avais rien vu. Aucun... Ah oui, c'est vrai qu'on... Aucun problème. Aucun problème. Et l'ours polaire, c'est calculé là-bas, c'est... Oui, tout à fait, tout à fait. Ils ont prévu un ours polaire. Il n'est pas agressif. Par contre, il a une addiction au Coca-Cola. D'accord. C'est très compliqué. Depuis qu'il a arrêté les publicités... Il n'a plus jamais lâché sa canette. Il va falloir qu'il fasse gaffe au diabète, tu vois. Oui, tout à fait. Regardez comme il est lent quand il se déplace. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est lent. Ça y est, il fait une pause. Il est fatigué, il a marché 3 mètres. Regardez, il n'est pas capable de marcher plus de 10 mètres d'affilée. Même en marche arrière, on peut l'esquiver, cet ours. Ah, dit comme ça. Ouais. Regardez, je peux me mettre devant. Même en marche arrière, je cours plus vite que lui. On déconne. C'est un ours. C'est une sorte de mascotte. C'est. Oui, une genre de mascotte, oui, tout à fait. C'est un ours. Des Antilles. Je me demande si on peut colorer les animaux. Ah, j'aurais bien vu un ours polaire rose, effectivement. J'aurais pas choisi le rose immédiatement, mais si c'est votre souhait, pourquoi pas. Qu'est-ce que t'as? T'as faim? Tu veux manger? Qu'est-ce que ça mange, ça? La viande? Ou du poisson? Je vais essayer de lui lancer un steak. Est-ce qu'il le mange? J'aurais essayé une épée en pierre, mais... Oh, ben Monsieur Arquet nous a rejoint. Bonjour, Monsieur Arquet. Bonsoir, comment allez-vous? On donnait à manger à l'ours polaire. Je crois que l'ours polaire mange des poissons. Ah! C'est ce que je me suis dit aussi. D'accord. Je pense.
Qui... Attendez, qui, je vais... Qui a du poisson. Je vais voir si j'ai du poisson dans ma réserve. Votre poche magique. Je vais vous dire ça tout de suite. Où est-ce que je peux trouver ça? Elle a une... C'est un trou sans fin, cette poche. Donc forcément, c'est compliqué à trouver... À trouver quelque chose. La fameuse poche. C'est la poche du magicien. Je sais pas si vous connaissez cette vieille série ignoble. Oh, je la connais. Voilà, il avait un sac, il pouvait sortir ce qu'il voulait dedans. Alors... Même comparaison. le problème, c'est que il y a tellement de trucs que... Pourquoi je suis par là ? J'y vois... Ah, j'ai peut-être trouvé quelque chose, là. Ah, n'importe quel poisson ? Est-ce que je devrais y voir un souhait profond ? Ouais, non. Parfait, alors. Alors... Ah. Voici un poisson. Si vous vous retournez, vous pouvez voir quelqu'un. Que je vois d'ici, d'ailleurs. Où ça ? Je ne vois pas. Non, ici. Ah, monsieur Anto ! Monsieur Anto, comment allez-vous ? Alors, ça va et vous ? Ben, ça va très bien. On est en train de donner un poisson à l'ours polaire de Coca-Cola. Pas très rapide, d'ailleurs. Ouais, alors, je faisais une présentation de mon côté. C'est pour ça que je suis arrivé seulement maintenant. Je voulais pas... D'accord, bien sûr, bien entendu. Mais... Cela va de soi. Il y a tellement de choses, c'est immense et c'est très long. Oui, oui, tout à fait, c'est plutôt long. Effectivement, vous pouvez reprendre quand vous voulez. C'est juste que si vous êtes à côté et que vous souhaitez parler, n'hésitez pas. Hein. Allez, donc... De toute façon, là, je vais m'atteler aux os, hein. C'était prévu, donc... Très bien. C'est la connexion avec cet ours polaire. Alors, je vais lui jeter un saumon. Alors... Je crois qu'il n'a pas très faim. Oui. Autorisez. Attendez. Non. Bouffe. Il avait déjà nourri. Non. Je crois que le zombie a faim. Ah, je crois que le zombie veut la bagarre. C'était session pétage de gueule. Très bien. Ce qu'il veut de la viande putréfiée. Ouais. Je vais peut-être mettre le truc. Parce que là, vous m'entendiez peut-être pas beaucoup. J'ai pas mis l'oreillette du bon sens. Ah. Là, t'es un peu loin aussi. Vous l'avez mis à l'envers, l'oreillette. En fait, c'était la bonne, mais le côté qui enregistre ma voix, il est de l'oreille droite. Donc, voilà. Attention, des fantômes. C'est aussi pour le zoo, ça ? Ok. Ça m'étonnerait. Faut que je demande à Siver quand il sera là pour faire un système de blocs invisibles, parce que j'ai une idée de cascade, donc et j'ai envie de faire un effet. Très bien. Je vois que Monsieur Baptiste et Monsieur Arquet n'arrivent pas à donner à manger à ce poisson addict Coca-Cola. Un poisson addict au Coca-Cola, c'est un poisson américain. Alors. Oui, tout à fait. Hein. Addict au Coca-Cola. Le problème, c'est que je n'ai pas de Coca sur moi et si on veut lui enlever sur son addiction, c'est pas une bonne idée, je pense. Salut fan 12 TK78, bienvenue à toi et merci pour le follow. Un grand merci. Walibi qui me dit alors, oui, on peut colorier les animaux, mais pour ça, il faut une commande bloc. Non, il suffit d'avoir un Anto dans la map. Ou d'avoir moi dans la map. Ouais. Exactement, c'est ce que je disais. Monsieur le maire, est-ce que vous avez une étiquette ? Une étiquette ? Oui, par exemple, pour donner un nom aux animaux. Vous êtes où ? Vous êtes où ? Ah oui, vous êtes ici. Vous voulez une étiquette ? Une étiquette. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble une étiquette. C'est dans les livres. J'ai du papier, si vous voulez. Non, ce n'est pas ça. J'ai un livre. Non, c'est tout ce que j'ai en papeterie. C'est tout ce que j'ai en stock. Hein. Une étiquette. Un name tag, carrément. Non, je crois pas que c'est ça, mais... Vous faites du RP, je me suis abonné, est-ce que c'est possible, je pourrais me dire s'il te plaît. Oui, tout à fait. Il faut que tu me donnes ton pseudo, s'il te plaît. Fan 12TK. Alors... ce qu'on va faire, c'est que une étiquette, je ne peux pas. Donc... J'aurais dû
dont je vais à la recherche. Un cas enfermé. Votre alors, poche magique serait défectueuse. J'ai vu que Docteur Nintendo, Docteur Nintendo avait rejoint, c'est parfait. Messieurs, je vous quitte, je vais recevoir peut-être un nouvel habitant. Pas de problème. Très bien. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, monsieur le maire. À plus tard. Merci à vous, messieurs. À notre constructeur. À plus tard. Tac, tac. Alors, écoute, ton pseudo c'est quoi? C'est un pseudo Fan12, c'est un pseudo PS4 ou Gamertag? C'est un pseudo PlayStation ou un pseudo de Xbox ou de PC? J'ai besoin de savoir où c'est que je t'ajoute. Alors, je fais une demande à monsieur Docteur Nintendo et à monsieur Chef Puma s'ils m'entendent. C'est de ne pas trop tarder sur les demandes. D'accord, c'est du PSN. Parfait, allons-y, on va le faire en direct. Il a follow la chaîne. Donc, comme c'est prévu, si vous faites un follow de la chaîne, vous pouvez rejoindre la map. Par contre, on est en survie, hein. Fan 12, c'est de la survie. Attention, il faut bien être conscient. Alors, Natsu FR. Il faut bien être conscient que c'est de la survie. Natsu FR 35 67. C'est là. La demande d'ami a été envoyée. Tu peux nous rejoindre de toi-même. La map est ouverte. T'inquiète, Wam. Pas de souci. Alors, je vais aller rejoindre. Tu peux venir, Fan12. Donc, il faut que tu rejoignes le Discord. Donc là, je vais balancer le message Minecraft pour expliquer comment on nous rejoint. Putain, ça en déconne. Donc, Minecraft. Ça, c'est pour nous rejoindre. Ceux qui veulent rejoindre. Et ça, c'est le Discord. Et qu'il faut que tu rejoignes, Natsu. Le vocal se fait sur le Discord. Donc, on a un Discord jeu de WAM. Tu cliques sur le lien et tu rejoins le vocal. Sinon, tu peux jouer sans vocal, mais t'es obligé de m'entendre sur le live si on doit te parler. Wam, lis le message. Pardon, je n'ai pas vu le message. Donc le message... Le nom de l'item que vous cherchez, c'est un badge. Le nom de l'item que vous cherchez, c'est un badge. D'accord, c'était le badge, c'est l'étiquette, le badge. D'accord, merci Shen Xiao, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Arke, venez avec moi. Attendez, il est où Monsieur Arke? Monsieur Arke. Oui. Est-ce que vous êtes occupé actuellement? J'allais chercher... un truc avec Anto, mais en soi, non. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'accompagner pour l'initiation de Monsieur Natsu qui arrive sur la map? Je vais juste chercher l'item et je suis à vous après. Très bien, merci beaucoup. Je vous attends à la mairie. Ok, pas de souci. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, on va voir ce que fait... Monsieur Natsu, est-ce qu'il va rejoindre? Est-ce qu'il rejoint maintenant? Je ne sais pas. Je l'attends devant la mairie. Normalement, il devrait apparaître. Hein. Est-ce que tu peux me répondre dans le chat Twitch? Natsu? Oh là là, c'est pas bien de dessiner ça. Il n'y a pas de quoi. Mais de rien.
Alors, je ne sais pas s'il va rejoindre maintenant tout de suite, là. J'ai pas de nouvelles. Oh là là, c'est cassé. La mairie est cassée ici. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On va arranger ça tout de suite. On va arranger ça tout de suite. J'ai pas l'impression qu'ils m'entendent, Nassou, là. Ça marche bien, hein. Franchement, la longue vue, super idée. Hein. D'avoir fait une longue vue... top, hein. Vraiment top, hein. Puis ça marche super bien, quoi. Il est beau, quand même, le dragon. Il est beau. Il est très, très beau. Alors, où va-t-on? Alors... Grove Street, le lotissement de Grove Street. Faudrait peut-être fermer les portes de l'arène parce qu'il va y avoir des zombies à l'intérieur. On a de la chance, il n'y a personne. Il n'y a personne, mais... Ok. Est-ce que ça va se refermer? Oui, c'est bon, ça s'est refermé. Parfait. Ici, j'ai les restes de Dr. Nintendo, la première tombe de Dr. Nintendo, qui est mort deux fois. Deux fois sur cette map. On arrive dans le quartier de Grove Street, devant la maison de Monsieur Anto. Devant la maison de Saver. Qui est restée ouverte d'ailleurs. Hein. Moi une fois. Tu veux dire quoi par là, Walibi? Je comprends pas. Alors ce que je vais faire, c'est faire un petit tour du pâté de maison là. Parce que je vois que. Il a pas l'air de venir, Natsu. Mais du coup, je vais retourner au zoo. Alors. Ça ne marche pas. Monsieur Arquet. Oui. Que, bon. Que se passe-t-il? Rien, je viens pour du coup faire l'initiation. Ah oui, mais il n'est pas encore arrivé. Ah bah d'accord. Bah, je pensais qu'il viendrait tout de suite, mais j'ai pas l'impression que... Je peux vous rappeler, je peux vous envoyer un SMS lorsque... Je suis désolé hein, de vous avoir dérangé pour rien, parce que je pensais qu'il allait venir tout de suite, Natsu. Ok, ok. Bon, ah, pas de problème. Oh, je suis désolé, je suis sincèrement désolé. Vous inquiétez pas. Bon, mais du coup, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci à vous. Alors... pourquoi elle marche pas? Ah, voilà. Je vais retourner au zoo, du coup. Hein.
Bon, si Natsu ne vient pas, je vais commencer peut-être à travailler sur le tunnel qui mène au zoo. Je pense que je vais commencer à taffer sur le tunnel qui mène au zoo. On a une petite zone à pouvoir à faire construire ici, hein. On a encore une petite zone là à droite du palais, histoire de bien remplir autour de la voie ferrée. Hein. Alors. Alors, j'avais choisi quoi pour le sol? Je crois que j'avais choisi... J'avais choisi des trucs... Déjà, je vais mettre des escaliers, parce que là, faut pas déconner non plus. On va mettre des escaliers, hein. Obligé, parce que là, non, je n'accepte pas. Alors, les escaliers en version... Ouais, en version comme ça, je pense que c'est le mieux. Alors... On va faire ça, hein. Ah ben ça faisait longtemps que j'avais pas construit moi. Et ça se voit, j'ai envie de dire. Voilà. C'est bizarre, pas de nouvelles de Natsu. Pourtant, est-ce qu'il est connecté? Est-ce qu'il a accepté la demande d'amis? Ça bosse dur chez le maire, je vous le dis, moi. Ça y est, je suis arrivé tout en bas, je crois. Parfait. Donc, ce que je vais faire... Il faudra au moins deux lignes. Si je mets deux lignes... Je pense que je vais faire deux lignes courtes. Deux lignes espacées. Alors d'abord, je vais choisir le sol. Je vais choisir le sol d'abord. J'ai envie de tuiles abîme craquelée. C'est nouveau, j'ai l'impression. Tiens, on va l'utiliser. On va l'utiliser. Ah, ça bug moins. Ça bug moins. Juste quand je dis ça, ça bug. Voilà. Oh mince, on est carrément non, il faut partir à... faut partir d'ici, faut partir d'ici en fait. Je vais plutôt prendre les mêmes, hein. Je vais plutôt prendre les mêmes briques parce que sinon ça va pas le faire. C'était lesquelles? C'était celle-là, je crois, hein.
Ah ouais, on va utiliser les mêmes briques. Allez, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Hop, 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 hop. Voilà. Impeccable. Parfait. Ensuite, je rajoute une quatrième ou pas? Deux, ça suffit pour le tramway. Hein. Deux, ça suffit. Alors, ensuite, au niveau des murs, j'avais choisi quoi? Je vais prendre ça, tiens. On va partir d'ici. Parce que ça fait joli. Ouais, ça fera joli. Qu'est-ce que c'est qui est tombé là-bas? Je sais pas. Je sais pas ce qui est tombé, mais ça a disparu. Aucune idée. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? C'est un nouveau mob, ça? Et c'était quoi, ce truc? J'ai jamais vu ce truc-là, avant. Mais il y en a plusieurs, en plus. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bitch, je me casse. C'était un slime. Ah bon? C'est la première fois que je vois 200 heures de Minecraft. C'est la première fois que je vois ce truc. Voilà. Hop. OK. Ça fait un trou ou pas? Non, ça n'a pas fait de trou. Parfait. Oh là là, oh là là, je fais des virages là. Ok, ça devrait le faire. Et là.
Ah, ici, la torche me gêne. Alors, on va rajouter un troisième, je pense. Ah, c'était la lave. Oh putain. C'était la lave. Ok. Ça va être tant d'axes là. Ça va être tant d'axes de faire tout ça là. On va le préparer comme ça. On va le préparer ici. Ok. Faire ça. Faut que je mette de la lumière un petit peu là. Faut mettre de la lumière. Qu'est-ce que je mets là? Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Ça va être assez complexe là. Hein, cette histoire, je vais me retrouver dans la sombritude. T'es sérieux, il y a un zombie ici. Il y a un zombie. Ah putain, la torche. Faut que je mette de la lumière. Je vais me retrouver dans le noir, je vais rien comprendre. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Concombre de merde. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà, histoire de ne pas être en galère. Voilà. Bon, ça va. À la limite, ça fait pas très loin. J'avoue que quand j'avais fait le métro du One World, qui traversait toute la ville, c'était beaucoup plus long. Hein. Cette ligne droite, c'est rien du tout à côté. Hein. On en verrait presque le bout, quoi. Alors, on continue pour le troisième rang. Donc là, je suis obligé de libérer. On va faire ça. Voilà. Ici. Ce sera comme ça. Parfait. Parfait. On tient notre entrée. Voilà. Ce sera comme ça. Magnifique. Bon, déjà, je peux faire ça jusqu'au bout. Et je vais pouvoir régler les problèmes de hauteur. Ok. Ok, ok. Oh là là, on va avoir des problèmes là.
fasse péter ça. 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 Et ça. Parfait. Ok. Oh, putain, je dis ok, je suis bloqué 3 mètres plus loin. Oh, je vais tout détruire ici d'un coup. Comme ça, c'est réglé. Hein. Ah ouais, par contre, oh putain, ça va être une galère. Oh, ça va être une galère. Ok, c'est bouché ici. Comment je bouche là? Oh putain! Oh co! Je vais galérer, putain de lave de merde. Comment je fais? Comment je fais? Sodo. Je crois que j'ai pas le choix. C'est le sodo là, hein. On va voir. Ça marche pas. Oh là 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 là, la catastrophe. Salut Kevin Lou, bienvenue à toi. La pire coulée de lave au monde. Non mais attends, c'est une catastrophe. Et s'il y a un truc que j'arrive pas à gérer, c'est ça. Hein. Attendez, déjà je vais essayer de retirer toute la lave là. C'est où qu'elle coule là? Elle coule plus normalement. Hein. Normalement elle devrait disparaître. Alors, on est toujours sur la map Minecraft. Je suis en train de créer le tunnel du métro qui va aller sur le zoo, Kevin. Donc, le problème, c'est que j'ai de la lave qui me casse les pieds depuis tout à l'heure. Saloperie. Voilà, j'ai réussi à la faire partir entièrement. Putain, maintenant c'est l'eau. Oh putain, maintenant c'est l'eau. Maintenant c'est l'eau. Oh putain. Franchement... L'eau. L'eau, c'est une vraie galère. Je ne la gère pas du tout. Ok. Oh putain. Oui, c'est bon, elle s'en va. J'ai l'impression qu'elle s'en va. Elle s'en va, elle s'en va. C'est bon, parfait. C'est pas mal. Ah, ça y est, j'ai réussi à boucher ici. Magnifique. Parfait. Et ici, je suis obligé de boucher ici. Parfait. Là, je suis bon, là. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Et ici, il faut que ça soit...
Parfait. 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 Voilà. Allez, c'est bon. Pouvoir peut-être continuer ma route. Donc ici, on continue de détruire. C'est ça, hein. Je me trompe pas, hein. Ici, sur trois cases. Ici, par exemple. Voilà. Donc là, je fais ça. Et là, on est bon. Parfait. Ici, on n'est pas bon. Trois cases. Ok. Là, je dois détruire. Parfait, on va être pas mal. On va être pas mal. On va être pas mal ici. On va être pas mal. Mais une éponge! Écoute, déjà j'ai réussi à enlever l'eau, c'est pas mal. Ok, ok. Ici j'enlève, parfait. Go, c'est parti, sur toute la longueur. C'est dur de rester droit, hein. Oh là là. C'est dur de rester droit. C'est dur de rester droit. Ok. Hop. Là, c'est bon. On va aller au bout. Parfait. Est-ce que je peux descendre? Oui. Hop. Et normalement, ça doit faire comme ça. Exactement ce que je voulais. Voilà. Ok, alors ici, on va boucher aussi. On devrait le faire. Saloperie d'araignée. Viens m'emmerder. Écoutez, dès que j'aurai bouché le tunnel, là, comme ça, dès que j'aurai construit tout le tunnel, il me restera plus que le chemin de fer, hein. Plutôt pas mal. Plutôt satisfait. Plutôt satisfait. Oui. Alors, ici... Bon, ça va, ça se gère qu'en aller-retour, donc... Cette lave, elle m'aura bien cassé les pieds. Merde, c'est pas ici. Voilà. Alors, une éponge pour la lave, Walibi, un peu complexe quand même. Hein. Hop, j'enlève. On s'en fout, on a les lanternes. Putain, saloperie. Là, est-ce qu'on est bon? Ah oui, d'accord, je comprends. Et là, on est bon. Parfait. Parfait, on va faire ça. Hop, jusqu'au bout. Normalement, ça devrait le. Normalement, on devrait pas être gêné là. Normalement. Ah, il y a encore ces bugs là. Il y a encore ces bugs. Ça veut dire que la construction s'arrête à un moment donné. C'est bon, là on est pas mal. Ok, je vois qu'il y a Saver qui a rejoint la partie, c'est parfait. Alors ensuite... Oh, il y a un petit autre endroit où c'est un peu sombre, là. On va rajouter une petite lumière. Voilà. Très bien. Ça fera bien l'affaire. Ensuite, ici... Donc quand j'arriverai au bout, le tunnel sera officiellement terminé. Ok, parfait. Donc il me reste vraiment que les rails à poser. On va le faire immédiatement. On va mettre celle-là. Rail de propulsion.
On va mettre ici. Faire quoi? Oh là là. Oh, il a du mal à réfléchir le jeu quand même. Il a vraiment du mal à réfléchir. Il réfléchit pas dans le sens correct des choses en fait. Il devrait mettre. Il me les met tous. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me fait des sauts de. Des sauts? Pourquoi il y a des trous à chaque fois là? C'est pas normal ça. D'habitude, quand je mets une ligne, c'est peut-être parce que je suis pas assez haut. Là, c'est peut-être pas mal. Ok. Il me fait des trous quand même. Hein. Quelques trous. Hein. Ok, on verra bien ensuite. Ok. Encore une ligne et on est bon. Bon, ça sera plus serré que le métro original, mais pas le choix. Tiens, là, il m'a carrément zappé la moitié des rails, là. Hein. Ok, ok. Ok, ok. Parfait. Ensuite, ici. Ouais, pas mal. Ça, c'est Dr Nintendo qui a mis les coordonnées, j'en suis sûr. Je comprends pas pourquoi il les met comme ça de côté. C'est jamais arrivé avant. Avant, une fois que tu commençais une ligne de rail, ça les mettait d'affilée, quoi. Je comprends pas pourquoi. Enfin, ça les mettait de manière. Ben, dans le même sens, je veux dire. Il les mettait pas en perpendiculaire. Bon, ça y est. On a pratiquement fini, c'est parfait. Après, il faudra s'arranger pour mettre, pour les mettre en. Pour les mettre en fonction avec de la redstone. Voilà, parfait. Ben tiens, il y a Monsieur Arquet qui est là. Monsieur Arquet, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Ah ben ça va super. Comment vous trouvez mon petit tunnel pour le... Eh ben actuellement, je le trouve, ma foi, très propre. Voilà. J'essaie de faire un truc très simpliste et plus étroit que la ligne principale, puisque c'est une ligne secondaire. Alors je me suis dit, pas s'embêter, hein. Et comme qui dirait les gents, sort, quel plaisir. Ah oui, bon, ça doit pas avancer bien bien vite puisqu'il n'y a pas de redstone encore. Hein. Non mais ça avance quand même un peu. Ça avance quand même un peu, effectivement. Je vais plus vite regardez, que vous à là, pied. Je suis à 200 km là. Oh, regardez, je vais plus vite que... Là. Je vais plus vite que vous en marche arrière, regardez. Là je suis du Need for Speed là monsieur, vous voyez pas. Plus là, vite que vous en marche arrière. Bah faudrait trouver beaucoup et beaucoup de redstone pour faire des blocs. Ou des torches. C'était quoi ce bug de l'araignée là? Un bug de l'araignée? Ouais, il y avait une araignée qui était à moitié enfoncée dans la pierre et quand je me suis approché, elle a disparu. Bizarre, vous avez dit bizarre? Exact. Très bien. Je vais aller voir Monsieur Anto et Monsieur Saver pour voir un peu comment le zoo avance. Ok. Bah moi, je vais aller faire une visite à Shining Zero, qui a l'air d'être à l'opposé du monde. Très bien. Ah oui, je vois que vous avez votre map avec vous. Il est... hop. Vers là-bas. Bah écoutez, je vous souhaite bon voyage, Monsieur Arquet. Merci bien. Au revoir bien. Au revoir. Mes respects. Mes respects.
Alors, j'arrive sur le zoo. Tu vas dans ton chat, tu fais flèche de haut, ça te remet la dernière commande que t'as activée. J'ai cru voir une incantation. Tu reviens dessus et tu mets ta nouvelle coordonnée. Vous allez être cramé. Hein. J'ai cru voir une incantation, messieurs là. Hein. Et... Non, non, on est en train de voir pour l'aménagement des blocs. Je vais expliquer les commandes. Ils invoquent quelqu'un. Ça sera beaucoup plus proche. Oui, monsieur Baptiste, vous êtes témoin avec moi. Hein. J'observe, je suis témoin, oui. Oui, je les ai vus en haut du pylône, là, il y en avait un qui tournait autour de l'autre. Je vais apprendre à faire des commandes, donc là, je vais lui faire remplir toute cette zone. Monsieur Baptiste ne fout rien, J'ai pas de poche magique, moi. Moi non plus. Comment ça, vous n'avez rien vu circuler. J'aimerais bien vous aider, mais c'est inutile. Si je vous ramène un stack, ça me servira à rien. Vous pouvez le faire apparaître, ce stack. Et bien, faites apparaître vos idées de création. Je ne les ai pas en stock, celles-ci. Chacun a ses talents, et moi, je pense que c'est pas trop mon truc, on va dire. Bon, du coup, tu m'avais dit, donc là, il m'a remis la commande, ouais. Voilà, tu tapes tes nouvelles coordonnées. Et je le prends très bien. Attends, il faut les laisser, celles-ci aussi. Ouais, tu les laisses et tu fais un espace et tu rajoutes les nouvelles, juste après. Ah, ok, d'accord, ok. Faut s'éloigner, sinon on sera concerné dans ce trou. Faut qu'on recule. C'est trop mathématique pour vous, monsieur Baptiste. Oh, je suis pas fan des maths, mais normalement ça devrait pas. Écoutez, je déteste les maths. Ça devrait également, pas être dérangeant. Ok, et là je valide, c'est ça. Et ensuite, non, tu fais un espace et tu. Ouais. D'abord, je les regarde. Tu veux. C'est spécial. Tu vas te proposer plein de blocs. Il faut que tu tapes le nom du bloc que tu veux. Bon, je vais mettre ça, mais on s'en fout. De toute façon, c'est pour le virer après. C'est juste pour un essai. Et là, on valide. Alors, attends, du coup, tac. Voilà. Hop. Alors, il y a Chen Xiao qui me dit va dans le général. Mais pourquoi faire ? Attention, Baptiste. Oh, t'inquiète pas, s'il me tue, bah, je serai mort après. Vous pouvez au moins, monsieur Baptiste, défendre les travailleurs du zoo, tout de même. Mais ils sont invincibles, vos travailleurs. Je pense que là, c'est moi qui devrais me défendre moi-même. Oh putain, t'as mis du bambou. Ouais, ouais. Du coup, ça a tout cassé. À la rigueur, je protège ce cochon, mais j'en sais rien. C'est ça. Tout voilà, à fait. C'est ça. Protégeons ce j'avais cochon. J'avais une autre idée pour la cascade. Pourquoi on la mettrait pas en ordre ? Dans ce temps-là, je les regarde faire des incantations de bambou. Ouais, attends. Là, je m'en sens pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'ils font des incantations de bambou. Regardez, c'est de la satanerie, ce qu'ils font. Moi je comprends rien, mais ça a l'air marrant. Donc aussi, hein, toi, regarde. Vas-y. Vous voulez un poulet ? Je vais te le dupliquer, comme ça tu vas pouvoir l'essayer. D'accord. Oh mon dieu, mais regardez, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait bouger des trucs. Tout seul, sans les mains. C'est où ? Tiens, ça là. On a été à l'école Sylvain Mirouf. Ils ont été à l'école Sylvain Mirouf. Attends, t'as un... Attends. Derrière toi. Oui. Tiens, prends ce qu'il y a là-dedans. Vas-y. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ok, d'accord. C'est bon. Tu vas comprendre. Attends, moi, je suis armé. Ouais. Ok, alors ça, quand tu vas le placer par terre, ça fait de la lumière. Ça fait 15 de lumière en partant il du centre. Il fait jour, normalement. C'est un bloc invisible. Attends 2 secondes, Ligny. Attends 2 secondes. Monsieur Baptiste, un magicien travailleur ne dévoile jamais ses tours, donc regardez ailleurs, merci. Et je bute des fantômes, là. Il y a que le maire qui a un droit de regard, parce que c'est sa map. Donc voilà. Mais je regarde, mais je comprends rien, donc c'est bon. Bah regardez les yeux fermés, alors. Parfait. Désolé, je mets vite fait la nuit, c'est juste pour que... Voilà. Oh putain, non, mais... Donc, regarde. Quand je pose ce bloc, ça fait 15 de lumière depuis le centre. Jusque là-bas, ça fait 15. Et ça fait la lumière 15... invisible. 15 de tous les côtés, on est d'accord. Ouais, 15 de tous les côtés. Directions, ok. Et regarde, prends un autre bloc dans ta main. Ouais. Voilà, la lumière disparaît.
Ah, en fait, okay. C'est la lumière invisible. Et normalement, en fait, tu peux l'écraser avec un autre bloc, si tu veux. Je ne comprends rien, monsieur Baptiste. C'est de la satanerie. C'est sympa. Et ça, pour l'avoir, tu fais slash give. Attends, redis-moi, attends. Je le note. Slash give, G-I-V-E. Tac. C'est donc ça, vos constructeurs? Pour l'instant, on construit pas, je lui explique des commandes pour qu'il soit plus productif quand je suis absent. Voilà. Slash give, ensuite tu mets espace. Ouais. Il va te proposer de mettre un pseudo. Donc soit tu mets arrobase A, donc c'est tous les joueurs, arrobase E, c'est toutes les entités, tout ça. Et après tu mets des pseudos. Donc le pseudo, ça va donner à cette personne cet objet que tu vas lui faire apparaître. Ok. Donc là, par exemple, je vais faire slash give donc, sur moi, donc j'écris mon pseudo. Paf. Et après, je peux give n'importe quel objet du jeu. D'accord. Et okay. Pour avoir ce que j'ai eu, c'est Light Block. L I G H T tiré du bas Block B L O C K. Et après, il demande une intensité et un nombre de blocs. Ouais. Tu mets 15-15, comme ça t'en as 15 qui font 15 de lumière. 15 c'est le plus haut. Et voilà. Okay. Et du coup, t'as ça. Et tu peux faire avec aussi tous les blocs du jeu. Hein. Si t'es en survie en général, tu peux faire ça. Mais sinon, tu peux faire apparaître des commandes blocs qui te permettent de faire des comment ça s'appelle ? Bah, des commandes en fait. Ok. C'est des commandes automatiques. Par exemple, tu peux mettre dans le commande bloc une commande qui te permet de te téléporter à genre des coordonnées quand tu marches dessus. Ouais, je peux mettre un téléporteur avec ça. Si je veux, je peux mettre un téléporteur à l'entrée du parc et un téléporteur, je sais pas, à la mairie. Genre, je peux me téléporter du parc à la mairie juste en marchant sur un pont. D'accord, ok. Alors du coup, regarde, j'avais pensé, tu vois, là aménager genre avec de la végétation, on garde un peu de pierre, quoi, tu vois, pour le haut. Et genre, on fait une délimitation, je sais pas si on la fait plus grande que ça ou pas, mais genre un peu comme ça. Bon, Après, ça serait bien que ça soit relié avec l'extérieur du parc. Là-bas, il y a une rivière. Ah, il y a pas on de. On pourrait flotte, amener la rivière jusqu'ici. Ouais, on pourrait ramener l'eau jusque là, ouais. Mais tu vois, derrière, il y a l'eau qui passe. Derrière la jungle. Sauf qu'elle arrive, genre à cette hauteur-là, quoi. Ça m'étonnerait que tu viennes d'avoir une réponse. Attends. Il s'est barré, monsieur le maire. Après, on n'est pas obligé de mettre l'eau. Est-ce qu'on. Ouais, 62, ça arrive pas. Ouais. Ou alors, ouais, on peut faire un petit lac ici, un faux lac. Je préfère regarder le satanisme, c'est vachement lourd. Parce que si on a juste deux blocs d'eau qui coulent, tu vois, c'est bizarre. Oui, oui, bah oui. J'aurais bien fait vraiment de tout en haut, je l'aurais vraiment fait ici. Est-ce que ça vous dirait de partir en expédition, monsieur Baptiste? Et ouais, elle coule genre là. Ah bah alors. Oui, bah vas-y, on peut faire ça. Tu vas jusque là, hein, très bien. Si mes souvenirs sont bons, je viens à peine de lui parler. Voilà, ouais. Ou même des axolotes. Ouais, à voir. Monsieur Baptiste, est-ce que ça vous plairait de partir en expédition? Ah, pardon, j'avais pas compris ce que vous... Ah, d'accord. Oui, Une expédition... Si vous voulez, je me fais attaquer, en fait. Une expédition vers le nord. Pourquoi donc? Comme ça, pour se balader, pour découvrir de nouveaux lieux. Est-ce que vous avez plein de flèches avec vous? Moi, je veux bien lui fournir un cadeau à son départ. Alors tenez, il va vous offrir un cadeau. Venez, on se redirige vers Saver. Ça sent le satanisme, hein? Vous pensez? Oui. Jamais. Si on me donne une potion, je ne la bois absolument pas, d'accord? Moi, je peux bien la boire avant vous, pour être sûr que... Oui, mais vous êtes invincible, c'est la différence. Ah, non, mais attendez, je ne me mets plus en invincible. Ça, c'est courageux. C'est courageux. Je partirai en expédition en survie avec vous, monsieur Baptiste. Ah, vous partez avec lui? Dans ce cas, je prévois deux cadeaux. Merci bien. Je vais mettre des pommes... Parce que je pense que je vais être en galère. Attends, je prépare la scène.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? C'est clairement un truc à boire. Oh, alors, des bougies. Baptiste, monsieur le maire, je vous offre chacun une longue vue. Oh, j'en ai déjà une, merci bien. Écoutez, je fais de mon mieux. Merci. Qu'un stack de poulet rôti. Ah oui, le stack. Par contre, je veux bien. Ah, le stack, je veux bien pour l'expédition. Alors attendez, je vais jarter un truc là parce que j'en ai absolument besoin. Ainsi que, parce qu'il faut pas déconner, si je le retrouve. Je crois avoir pris votre stack de poulet. Ah oui, ah oui, je veux bien récupérer le stack là. Hein. Attendez, il faut que je jarte un truc. Non, c'est bon, je l'ai récupéré. Parfait. Pour la longue vue, on la prend pas. La longue vue, genre. Une mule chacun. Pour vous déplacer plus rapidement. Oh, merci. Ouais, pourquoi pas des chevaux? Parce que avec des mules, vous pouvez mettre des coffres sur vos... Sur vos mules. Très bien. Ok, donc on récupère. Attends, il faut d'abord la... d'apprivoiser. Ce que j'essaye de faire, mais je crois qu'elle m'aime bien, c'est bon, non? Ah non, elle m'aime pas. Je ne sais même pas monter dessus. Merci. Avec quoi jouez-vous, monsieur? Avec une manette de Sony. Dans ce cas, c'est L2. Voilà, je voulais apprivoiser. L2. J'ai vu des cœurs. Oh, ça y est. Allez, moi, le et voilà. Alors, si vous appuyez sur triangle, monsieur le maire, vous pouvez avoir l'inventaire du coffre. En haut à droite. Ah oui, excellent, merci beaucoup. Voilà, vous avez un petit coffre. Merci beaucoup, monsieur le premier adjoint. Je le fais. Je dois faire un truc spécial pour ou juste... Non, faut que j'attends que tu fasses des coups de cœur. Ouais, ok, c'est bien ce que je me suis dit. C'est juste qu'il m'aime pas, en fait. C'est juste que tu es nul. Ah, ça y est, vous aime. Voilà, il m'aime. Ça y est, vous aime. Merci, le cheval. Ah bah, maintenant il m'aime plus. Monsieur Arquet, là. Voilà, un coffre aussi. Oui, oula. Pouvez-vous venir à l'écart pour qu'on puisse discuter qu'entre nous. Mais je suis directement dans une AWAM, bien. Excusez-moi, monsieur Baptiste, je reviens vers vous juste après, mais je suis obligé de retarder l'expédition. Monsieur Arquet veut me voir en privé. Pas de problème. Merci beaucoup. Okay, alors, venez, monsieur Arquet, suivez-moi, s'il vous plaît. Ça fait un peu bizarre ici. Oui, d'où? Ok. Bah ouais, en fait, c'est ça que j'essaye de voir. Je veux l'aménager depuis tout à l'heure, mais je sais pas comment. Bah, attendez, je vais faire un truc 30 petites secondes. Vous êtes où, monsieur Arquet? Je vous écoute. J'essaie de prendre cette mule pour plus tard. Bon, j'arrive au pire. C'est pour un projet que j'aimerais faire à l'avenir. Bah, de base, c'était dans votre bureau que j'aimerais bien en parler, mais si nous pouvons aller ici, cela me dérange pas. Ah, on peut aller dans mon bureau si vous voulez, pas de problème. Ah bah, je voudrais bien. Allez, mais, vous voulez pas partir dans l'expédition d'abord? Bah, je voulais vous écouter en premier, parce que là, si je pars en expédition et que je vous ai pas parlé, je risque pas de vous parler avant 45 minutes, je pense, hein. Ah, d'accord. Bah, j'apprivoise cette mule et ensuite nous allons parler de ce projet. Hop. Salut Big Matt, bienvenue à toi, comment ça va? C'est bon, nous pouvons y aller. Alors c'est bon, alors qu'est-ce que vous voulez me dire, monsieur Arquet? J'ai une idée de projet que ce serait à faire dans l'avenir après le zoo. Oui. Ce serait de faire un musée. Mais qui parlerait de plusieurs choses. C'est-à-dire? Bah, tout d'abord de l'histoire de notre du monde actuellement, les dinosaures, voire des squelettes, etc., etc. Mais aussi, par exemple, nous pouvons avoir le musée du jeu vidéo. Oui. Ou alors le musée du One World. Comme, oui, c'est faisable. Faudra en rediscuter quand le zoo sera terminé. Ok, bah je vais noter quelque part. Je vais noter dans ma mémoire ou sur une feuille. Et ce sera à retenir. Je vous remercie beaucoup, monsieur Arquet. À bientôt. Mais pas de soucis. Bon voyage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Monsieur Boba Fett, chasseur de primes et garde du corps de Monsieur le maire pour cette expédition, je suis prêt. Monsieur Boba Fett. Monsieur Boba Fett, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Allô ? Ah, parfait, je vous entends. Je suis prêt, monsieur Boba Fett. Ah, j'ai parlé dans le vide. Je disais, est-ce que vous avez une carte ou quelque chose qui pourrait nous aider à... Ah, effectivement, je n'ai pas de carte. Je l'ai perdue depuis quelques temps. Le même pour moi. Est-ce que vous en avez une, vous ? Ah, par contre, j'ai quelque chose qu'on m'a... On m'a dit de vous en donner une laisse. Ah, une laisse. Ah, pour te dire mon cadenasson. C'est pas si... Voilà. Ah, ça, c'est l'épée, ça. Alors, attendez, il faut que je jette... Voilà. Je fasse ça. Faut que je fasse ça. Et ça. Parfait. Et comment je fais pour te dire... Il est parti où, mon cadenasson? Il est là? Ah, ça y est, je le tiens. Parfait. Je tiens mon cadenasson. Il est là. Et c'est aussi pour l'accrocher à des barrières ou autre, mais ça, on pourra toujours le construire en chemin. Parfait. J'aimerais juste dire au revoir à l'ours polaire. Ah oui, bien entendu. En espérant que son diabète aura une fin. Monsieur l'ours polaire, vous allez bien ? Oh là là. Il est encore plus lent que tout à l'heure, celui-là. Je me demande s'il a faim ou s'il a trop mangé. Ah, je pense qu'il a trop mangé. Il a trop bu de coca. Je sais pas si vous en souvenez de cette pub, monsieur Baptiste. C'est une vieille ça pub. Ça fait longtemps, quand même. Une vieille pub Coca-Cola avec un ours polaire qui buvait du coca. C'est lui, et on en voit le résultat aujourd'hui. En marche arrière, on est plus rapide que lui. Ça craint quand même. Très bien, monsieur Baptiste, partons en expédition sans carte, sans rien du tout, en mode je m'en fous, direction le nord. Est-ce que vous savez si on va au nord ? Oui, oui, je sais que le nord, c'est en direction de la piscine. J'ai tellement fait de construction ici que je connais un petit peu mes terres. C'est normal. Alors attendez, attention, là c'est un endroit assez... Peut-être évité... Assez casse-gueule, mais ça devrait passer normalement. Maintenant, je vais vous voir passer également. Oui, parfait. Non, vous... c'est déjà fait. Oh, c'est très bien. Vous avez très bien mené cet obstacle. Alors, à 23h05... il est 23h58. Tout le monde sera déconnecté à minuit, mais je relancerai le Wi-Fi. Hein. Donc, il faudra revenir. Allons-y. Peut-être qu'on pourrait trouver des ennemis. Je sais pas si je l'espère vraiment, mais... De toute façon, je suis bien accompagné avec vous. Hein. Je le prends comme un compliment. Bien sûr, je me sens en sécurité avec vous. Alors, après la piscine, le territoire est inexploré. Hein. Inexploré. Je crois que de mon côté, j'étais parti vers le nord pour trouver du granit. Oui. Ça a été une réussite, mais j'ai pas réellement découvert que ce soit des grottes ou même des maisons. J'ai pas vu grand chose. Nous verrons bien. Je me suis pas aventuré très loin en même temps. Nous verrons bien. Nous verrons bien. On verra. Vous êtes toujours avec moi ? Oui, vous êtes toujours avec moi. Toujours avec vous. Parfait. Il va pas très vite ce mulet. Il aurait pu nous donner un cheval de course tout de même. C'est ce que je me suis dit aussi, mais bon. Franchement, il a déconné. On va faire avec. Ouais, mais au moins, on pourra récupérer du matos à déposer sur le mulet. Hein. Bon. Déjà. On commence déjà à avoir de la neige au moins. Un biome enneigé déjà. Hein. Est-ce que vous avez réussi à passer l'obstacle ? Oh là là. L'obstacle de la rivière. Ah, oui, oh là là.
Oh là là, il va mourir sans mulet. Je crois que la corde va... va le ramener. Ça serait utile. Ah là là, oui, effectivement. Il a bien... Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à tout. Pour un chasseur de primes, ça aurait été moyen quand même de se de tomber au deuxième obstacle. Vous savez, j'ai l'habitude des vaisseaux, les chevaux, les canassons. C'est moins rapide, on va dire. J'ai connu un homme qui était habillé comme vous, on l'appelait le Mandalorian. Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? C'est pas vraiment une famille, plus un clan, on peut dire. Une secte? Bon, une secte, j'irai pas jusqu'à là, parce que les sectes sont souvent reliées à des religions, quand même. Mais j'ai... Oui. Plus une sorte de clan, mais c'est un clan qui est aujourd'hui dissous. Vous savez, l'Empire, si vous... Ah ben oui. Je sais pas si vous êtes renseigné sur notre sujet. On a pris un petit peu cher, on va dire. Vous avez pris un petit peu cher. Êtes-vous sûr de vouloir passer par là? Oui, oui, je voulais monter au sommet pour voir un peu ce qu'il y avait dans les environs. Au moins, cette mule est quand même bien, habile. Oui, tout à fait, ça fonctionne bien. Alors, vous avez vu, on est sur un environnement enneigé et on... Et d'un coup, on passe sur un environnement tropical. Vous voyez l'île qui est en face de nous? Je la vois. Oh, on va essayer de s'y rendre, monsieur Boba Fett. Seulement mon maudit jetpack fonctionnerait. Le problème, c'est que... Je ne sais pas si le cadasson peut aller dessus. J'ai un doute. Dans les cas, on pourrait utiliser la laisse ou je ne sais pas. Tout à fait. Ça devrait aider. Tout à fait. Mais comment attacher... Ah, ici, j'y vois des... On peut peut-être essayer de faire avec un assez grand saut, peut-être. Je sais pas. Ici, on est... Si vous regardez de mon côté, il y a un petit îlot qui pourrait nous aider à traverser, peut-être. Ah oui, exact. J'y vais en premier pour voir. Mauvaise idée. Mauvaise idée, effectivement. Non, si, attendez. Ah, ça passe. Ah, attendez, je vais essayer. Je vais essayer de mon côté. Je vous laisse la place cette fois. Ouf. Oh là là. Oh, ça a marché. Il y arrive. Par contre, ça va être plus compliqué. Oui, là, ça ne passera pas. Hein. Ça ne passera pas. C'est sûr et certain. Je pense qu'il vaut mieux faire marche arrière et trouver un autre objectif. De faire le tour à droite et voir si on aurait un chemin qui pourrait nous relier à l'île de l'autre côté en faisant le chemin à droite vers les montagnes. Oui, peut-être. On va voir. Côté. Je vous suis. Vous avez vu, c'est bizarre. Ça fait une ligne... pure et franche entre la neige et les îles tropicales. Ça m'a l'air très naturel, tout ça. Ça m'a l'air très, très, très naturel, effectivement. C'est... Ouais, alors, attention. Re-sauter. Par contre, là, ça va être compliqué parce que c'est de la banquise derrière. Oh là là, il va mourir. Il va mourir. Non, tout va très bien se passer. Ok. Est-ce qu'on pourrait mettre... J'ai quelqu'un qui me... Il me perturbe dans l'oreillette. Est-ce qu'on pourrait pas mettre des blocs, peut-être? Attendez. Je vais essayer de fabriquer un pont de fortune. On pourrait essayer ceci. Attendez. Là, on est pas mal. On est pas mal, monsieur Boba Fett. On est pas mal, c'est bon. Parfait. Ouais, parfait. Voilà. Vous pouvez venir. Impeccable. C'est bien plus simple. C'est bien plus simple. Alors, on va essayer de faire le tour pour voir un peu ce qu'il y a. Et là, on arrive dans le côté tropical un petit peu, là. Oula, ouais, faut passer par ici. Hein. Très pratique, cette mule, pour monter ces collines. C'est rapide pour les montagnes. Ah oui, là, j'avoue que ils ont très bien choisi la bête. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici?
On est passé de moins 10 degrés à plus 40. Comment voyez-vous les degrés? On est passé de moins 10 degrés à plus 40 degrés. En l'espace de 1 mètre. Je ne comprends pas. C'est les mystères des biomes. C'est la nature. Oh là là, grosse forêt ici. Grosse forêt. Eh ben dis donc, on était en manque d'arbres dans le One World. Ici, il y en a bien. Ah bah là. Par contre, là, pour passer la rivière, ça va être compliqué. Je pense qu'il faut la contourner. Le chemin fait un peu long. Mais... En fait, on est plus en galère avec la mule que à pied. Hein. Pour monter, c'est très très bien. Pour stocker, c'est très très bien. Et après, il y a avantages et inconvénients. Ben, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas traverser les points d'eau. On peut, mais avec une laisse. Monsieur le maire, je devrais vous parler d'une chose importante. Monsieur le maire est en expédition. Il reviendra que pour quelque chose de très très important en RP. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est moi, j'ai voulu... Ah, je me disais... pile quand j'ai appuyé sur un bouton. Bon, on va longer la rivière là, parce que je me sens pas trop de la traverser. Je vais débroussailler un petit peu pour pouvoir passer là, parce qu'on est bloqué. Hein. J'ai voulu vous aider, mais... On va dire que votre mule a pris le coup d'épée à la place des buissons. Ah. Ça va pas... C'est bon. Ça lui a pas fait du bien. C'est passé. Monsieur de la Cour attend, SMS. Ah, excusez-moi. Je vais devoir arrêter l'expédition. J'ai un rendez-vous important qui a été pris... la semaine dernière. Je suis obligé de retourner à la mairie. Nous reprendrons cette expédition une autre fois, si vous le voulez bien, monsieur Baptiste. D'accord. Alors, je vais vous demander de mettre la mule à la mairie. Ça sera la mule du chasseur de primes et de monsieur le maire pour expédition. Pas de problème. Comme ça, vous pourrez la récupérer quand vous voulez. Ça sera sauvegardé dans le jardin de la mairie. Alors, j'espère qu'on ne va pas se perdre pour le chemin retour. Non, tout va très bien se passer. Écoutez, le wifi n'a pas coupé, c'est magnifique. Je pense qu'il est réglé à 1h du matin le samedi. Alors... Est-ce que vous pensez qu'on est dans la bonne direction, là? Pas sûr que ce soit une très bonne idée de traverser la jungle, mais on va quand même le faire. On va quand même le faire, pour le plaisir. Je pense qu'il faut passer entre les deux collines, ici. Ça me semble être une bonne idée. On va voir ça. Ça devrait bien monter. Oui, ça devrait monter. À l'aise, à l'aise. À l'aise, Blaise. Hop, hop, tout seul. Comme une 4L dans le désert. Je vais quand même la contourner, la jungle, parce que ça va être une galère, sinon. On va quand même la contourner. Est-ce que vous voyez un bâtiment du One World? Comment dire? Non. Toujours pas. Hein. Si vous voyez un bâtiment du One World, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Et faut pas trop perdre le cap. Hein. Ah, je vois la pagode. Ah. Je vois la pagode, c'est parfait. Oh là là, ici, comment on va faire pour descendre? On est dans la merde. On est dans la merde. Ah, ici, c'est peut-être possible, ici. Attention, si on y va doucement. Oui, ça passe. On passe par là. Ça devrait bien se passer. Parfait. Par ici, oui. Parfait, impeccable. Vous êtes un très bon ouvreur de chemin, monsieur Baptiste. Oh... On me le dit pas souvent, mais je m'en rends compte tout seul. Si vous vous en rendez compte tout seul, c'est magnifique.
Donc si on arrive à la pagode, à partir de là, on sera bien, il y a des ponts. Vous passez par le jardin japonais qui se situe devant la pagode, tout va bien se passer. Oh, je m'en sortirai, si vous voulez déjà aller à votre rendez-vous, il n'y a aucun problème. Ah, parfait. Je vous remercie de m'avoir accompagné, monsieur Baptiste, et je serai ravi de retourner en expédition avec vous pour découvrir les confins des extérieurs du One World. Pas de problème, je peux de mon côté... Qu'est-ce que je pourrais dire de... Garder la mule, tout simplement. Gardez-la, aucun problème. On se retrouvera avec une autre fois. Je vais la garder chez moi. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation, ouais. Monsieur Baptiste. Et qu'est-ce que c'est, ça ? C'est une brebis ? Ça a l'air d'être un... J'ai jamais vu ça. Je crois que c'est un bouc un bouc d'Afrique. Parfait, un bouc d'Afrique, alors. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, monsieur Delacour attend à la mairie du One World. Il nous a envoyé un SMS. Nous allons vérifier tout de suite. Alors, attendez, il m'attend devant la mairie. Heureusement que j'ai la mule pour aller plus vite. Heureusement. Monsieur Delacour n'aime pas attendre. Effectivement, je m'excuserai. Mais en même temps, il n'a pas pris rendez-vous. Il m'a pas dit à telle heure, on se retrouve ici. Donc, monsieur le maire est déjà très très sympathique de répondre à la requête. Ne l'oubliez pas. Hein. On arrive. On arrive à la mairie. Je vais attacher ce maudit canasson qui m'a quand même bien rendu service. Hein. Pour être honnête, ça y est, nous sommes à la mairie. Ah, monsieur de la cour, attendez, je suis à vous. Je vais l'attacher ici. Ça devrait le faire si je l'attache ici. Alors, comment je fais pour quitter déjà la bête? Ah oui, c'était là. Maintenant, il faut que je l'attache. Ici. Parfait. Ma mule est attachée. Magnifique. Alors, monsieur de la cour. Bonjour, monsieur de la cour. Bonjour, madame Martine. Comment allez-vous ? Bonjour. Très bien, très bien. Et vous ? J'ai vu que vous m'avez fait attendre et que vous n'avez pas dit bonjour. Oui, il fallait que je range ma mule. Par contre, je suis désolé, je suis en retard, mais nous avions rendez-vous aujourd'hui, mais il n'y avait pas d'horaire. Oui, mais je n'aime pas. On ne conteste pas, monsieur, s'il vous plaît. Vous parlez au maire du One World, faites attention, vous mesurez... Vous parlez à monsieur de la cour aussi. Pardon. Ah, d'accord, c'est... Il parle à un homme respectable. Nous parlons entre hommes respectables. Tout à fait, nous sommes respectables, s'il vous plaît. Mais respect. Je suis très heureux de vous revoir, en tout cas, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur de la cour. De la courge, oui. Monsieur de la courge. Non, évitez. De la cour. Ah, c'est de la cour. Pardon. De la cour, oui. C'est monsieur... Ça marrant, Martine, peut-être. Oui, tout à fait. Non, c'est pas drôle, c'est pas drôle, je suis désolé. J'ai vu que votre femme rigolait, hein. Non, c'est pas vrai. Si, je vous ai vu rire. Non. Si, je vous ai vu. D'accord. Oui, d'accord. Oui. Très bien, monsieur de la courte. De la cour, s'il vous plaît, monsieur le maire. Ah, pardon, je croyais que c'était de la courte. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez faire une petite sauterie, je crois. J'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de la semaine prochaine, ce qui va se dérouler.
Très bien. Ah, c'est la semaine prochaine. Très bien. Je comprends mieux pour. Je comprends mieux maintenant pourquoi je devais veiller aussi tardivement ce soir. Merci. Alors, venez, rentrez dans mon bureau. Je vais vous recevoir. Très bien, très bien. Martine, c'est moi qui passe devant. Allez-y. Oui, allez-y, monsieur, j'ouvre les portes. Alors, vous ne rentrez pas, d'abord. Je rentre dans mon bureau, vous toquez, je vous dis entrez, et là, vous entrez. Hein. Ça, c'est pour vous montrer qui est le boss dans cette maison. Hein. Oh, attention, vous savez pas à qui vous parlez, monsieur le maire. Allez, hop, je m'assois. J'ai pas entendu toc, toc, toc. Monsieur, vous ressortez, vous faites toc, toc, toc. Toc, 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 ça vous va sur le bureau, ça? Non. Martine, alors, viens. Vous... Oui. Oh, mais j'hallucine, il lui a fait des bisous pour qu'elle vienne. Il lui a fait comme un animal. Je l'ai appelé. Vous l'avez appelé? Voilà, exactement, exactement. Très bien. Vous avez tout compris. C'est que vous êtes un homme respectable. Vous. Oui, regardez, comme vous, comme vous. Comme vous. Merci. Monsieur de la Courbe, je vous écoute. Monsieur de la Cour. Ah, ça va pas le faire, hein, si vous savez de pas. De la Cour, pardon, de la Cour, oui, je vous écoute. Très bien, très bien. Donc, comme c'était la semaine dernière, c'est ça, nous avons fait connaissance, pardon. Et donc, je vous avais présenté Martine, cette esclave. Et je vous avais... on s'était présenté. Oui, vous étiez présenté. Et je vous avais dit d'ailleurs, de respecter les dames. Oui, c'est vrai, il l'a dit. Ce genre de dame. Ce genre de dame. Donc, du coup, on s'était entretenu, on avait parlé de notre aménagement dans le château. Je vous avais dit que du coup, des choses paranormales se passaient dans celui-ci. Et sachez que ça a empiré, monsieur de la... monsieur de la... J'allais vous appeler monsieur de la cour. Ah. Monsieur le maire. Très bien. Sachez que cela s'empire vraiment. À vrai dire, maintenant, les tableaux, leurs portraits bougent. Donc, c'est de plus en plus inquiétant. Alors, monsieur de la couche, je comprends très bien. De la cour. Pardon, de la cour. Je comprends très bien ce que vous m'expliquez. Vous êtes en train de me dire que les tableaux bougent comme dans Harry Potter, c'est ça? Exactement, vous avez une bonne culture cinématographique, monsieur Le Baird. Oui, bien entendu, pour relater des propos comme les vôtres, il faut avoir de l'imagination et du vécu dans les histoires fantastiques et maléfiques. Et oui. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Est-ce que vous voulez que je vienne faire un contrôle paranormal? Pas tout de suite, pas pour l'instant. Mais du coup, à cause de ça, sachez que la cuisine a brûlé. Elle a brûlé? A brûlé, hein. A brûlé, et oui. Ça s'est enflammé comme ça. Mm-hmm. En fait, j'ai pas osé vous le dire, monsieur. J'ai juste pas osé vous le dire, mais c'est... J'ai un peu trop cuit le pâté ce midi, le pâté en croûte, et ça a un peu cramé. Ah, le pâté en de la cour, d'accord. C'était une faute. Comment ça? Excusez-moi, excusez-moi, mais... Tu me fais... Tais-toi. Ah, je viens de recevoir un SMS. Vous avez le bonjour de monsieur Anto. C'est le maître d'œuvre de construction du zoo en ce moment. C'est un gueux, monsieur, c'est un gueux. Il vous passe le bonjour, il vous respecte en tout cas. Il me respecte, Martine. Pas comme toi. Ok, je lui passe le bonjour très bien aussi. Très bien. Ça sera fait, ne vous inquiétez pas. Bon. C'est bien, il n'y a pas de gueux qui tournent autour du Capitole par rapport à la semaine dernière. Ça, c'est bien. On a recadré tout le monde, monsieur Delade. Ah, mais vous avez bien fait. Hein. Oui, bien entendu. J'entrais dans un zoo, hein, comme celui qu'Anthony est en train de faire. Mais bref, du coup, en parlant des esprits, du coup, Martine commence à avoir des envies. Des envies suicidaires. Ouh. Un esprit essayerait peut-être de la posséder. Je pense vraiment que... Tais-toi, Martine, à prendre l'ampleur sur la maison. Et ça devient vraiment assez agaçant et terrifiant.
Donc, tu veux peut-être ajouter quelque chose, Martine, pour une fois ? Qu'est-ce que je peux faire ? De ce que tu m'as dit, et de ce que vous m'avez dit, monsieur Delacour, la fête aura bien lieu la semaine prochaine, du coup. Donc, elle est quand même maintenue. Voilà. Et donc, seul vous allez être accepté parce que les autres gueux de votre, petit village du Bois-Moir ne vont pas être acceptés et on n'a pas envie qu'ils salissent tous nos tapis non plus. Exactement, donc, bien voilà. Dit Martine. Mais vous, c'est Martine. Moi qui fais le ménage en plus. Donc, Ah oui, vous faites le ménage, mais vous êtes une gueux aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. Donc oui, c'est une gueule. Alors, moi, j'accepte de... Si, je voulais quand même... Je peux juste reparler à monsieur le maire 2 minutes. Alors, attendez. Ah oui, vous avez... J'ai quelque chose à vous dire, excusez-moi. Attendez, excusez-moi, je bois un petit coup de whisky et je suis à vous dans une seconde. Ah, très bon. Quelle marque ? Chivas, 25 ans d'âge. 25 ans d'âge. Ah, très bon choix. Si vous voulez, j'ai une cave dans le manoir. On pourra peut-être... Ça passe super bien. J'ai gargarisé le Chivas. Est-ce que vous avez entendu? Alors, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Alors voilà, ce que je voulais vous demander, c'est qu'en tant que personne de la haute société comme vous, monsieur de la Corne, je voudrais... Monsieur Leclerc, merci de respecter mon nom. Cela va de soi. Donc, ce que je vous demande, c'est que comme madame Martine, qui est ici présente, a avoué qu'elle était une gueux, je souhaite qu'elle mange les restes par terre lors de notre repas. Oh, mais quelle brillante idée avez-vous là ? Ah, qu'en penses-tu, Martine ? Je pense qu'on va bien s'entendre, monsieur de la Cour. J'ai l'habitude de manger pas. Très bien. Très bonne idée. Ça, vous rentrez dans mon estime, monsieur Leclerc. Mais cela va de soi. Mes respects. Tu vois, Martine, tu pourras lécher le sol. Tu pourras lécher la moquette. Oui, j'aime le sol, oui. Tu vois, il y a des gens qui fument la moquette, toi, tu le lécheras, Martine. J'ai hâte. Succulent. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ma requête est acceptée, du coup. Ah oui, très clairement. Elle est acceptée, amplifiée et tamponnée. Ben je vous ferai l'honneur d'être présent, monsieur de la Cour. Ah bah c'est pas de souci, mais de toute façon, c'est moi qui invitera. Écoutez, monsieur du Tambour, je voulais m'accorder un petit moment avec madame Martine, si vous acceptez. Très bien, monsieur le cerf. Je vous dis à tout de suite dans 2 minutes. Ce sera pas long, je pense. Oui, j'espère. J'ai des oreilles ici, donc fais attention à ce que tu dis, Martine. On va pas parler trop fort, du coup. Nous sommes sur un canal sécurisé. Ne vous inquiétez pas, madame Martine. Vous avez vu, j'ai essayé un petit peu de l'amadouer. Effectivement, je suis madame Martine. Oui. Oui. Je vous ai appelé madame Martine, non ? Bah non, mais je suis pas madame Martine. Je suis monsieur de la Cour. Ah oh pardon, je me suis trompé. Autant pour moi. Monsieur le maire a fait une erreur technique qui lui a été fatale. Nous sommes sur un canal sécurisé. Mais je me suis trompé, j'ai gardé monsieur de la couche avec nous. Et là, c'était une belle erreur parce que j'ai commencé par lui expliquer que nous étions sur un canal sécurisé et que j'essayais de l'amadouer pour essayer de rentrer dans son jeu et j'allais dans son sens
pour qu'il ne me voie pas venir. Mais malheureusement, la mission est presque avortée, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il a une courte mémoire et il aura oublié mes propos. Je l'espère en tout cas. Mais j'ai tenu ces propos, Madame Martine. Pour... J'aimerais juste vous dire, il a parlé de quelques tendances suicidaires liées aux esprits, mais je voulais juste vous dire, c'est vraiment à cause de mes conditions de travail. Je commence vraiment à en avoir marre. Attends. J'ai essayé. Et donc, je sais pas si je reviendrai très vite, en tout cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vraiment essayé de vous mettre fin à vos jours? La première fois, j'ai raté, mais je sais pas si je compte faire une deuxième fois. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Vous voyez comment il me traite. Je suis qu'une mère pour lui. Je suis rien. Mais j'ai l'impression que vous aimez ça, des fois. Non. Non. Je fais semblant parce que sinon je m'en rends encore plus. Si je commence à me plaindre, c'est fini. Je comprends votre désarroi, Madame Lamartine. Il va falloir qu'on trouve une solution. Mmh. Et je prends ce problème à bras le corps. Merci beaucoup en tout cas. Très gentil de votre part. J'espère que nous solutionnerons la chose. Merci beaucoup. Je peux vous accueillir. Merci. Sachez que j'ai une structure, une cellule anti-f... Oh, merci bien, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. Monsieur le maire veut bien vous adopter. Pour l'instant, j'ai quand même retourné. Je vais aller chercher mes affaires chez moi. Mm-hmm. Et donc, je vais sûrement repasser ce soir. Sachez que nous avons une cellule pour femmes battues. Je vais essayer de repasser d'ici... Oh, désolé. Alors ça... J'ai cassé le mur sans faire exprès. Ne recommencez plus jamais, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, je vais... Le temps que je reprenne mes affaires et que m'en aille en toute discrétion, je pense que d'ici 10-15 minutes, je devrais être revenu. Non, mais attendez, venez avec moi. Je vais vous montrer quelque chose. Ne le tuez pas, non. Non, je ne vais pas le tuer. Non, ne vous inquiétez pas, venez. Venez, vous montez ici... Mais j'ai pas encore pris mes... Monsieur de la couche, je vais vous demander de descendre, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas invité au premier étage qui est strictement privé. Strictement privé. Vous pouvez m'inviter à ma fête, hein, monsieur le glaire. Descendez, pauvre gueux. Descendez. Si la mère, Tout à fait. Moche. Envoyez-lui un SMS, il a pas l'air... Il a l'air après le vaccin. Il a l'air d'être sourd. Il a l'air d'être sourd. Mais sourd et moche. Sourd et moche. Très bien, merci. Venez. Je vais vous... Ici, c'est l'endroit que nous réservons aux femmes battues et aux personnes en danger. C'est un appartement sécurisé avec un jacuzzi. J'ai jamais eu le droit au jacuzzi chez moi. Voilà, vous aurez ici une bibliothèque pour vous cultiver. J'ai jamais appris à lire par contre, donc vous pourrez. On vous apprendra, ne vous inquiétez pas. Je peux vous appeler papa? Vous pouvez m'appeler El Padrino. 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 El Padrino. C'est noté. C'est un mélange cubain et latinos d'une personne qui est là pour vous aider. D'accord, merci. Ici, vous aurez des réserves. Je peux aller chercher mes affaires. Vous pourrez cuisiner tant que vous voulez ici, à votre guise. Merci. Je vous rajouterai juste un lit pour que vous soyez à votre aise. J'ai jamais dormi dans un lit depuis 15 ans. Patrick. Depuis 15 mois ? Ça me fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je travaille avec lui, ça fait 15 ans que je dors soit dans la niche, soit sur le plancher. Mais c'est une véritable honte. Donc ça me fait beaucoup plaisir, monsieur. C'est une véritable honte. Je ne sais quoi dire pour vous réconforter, madame Lamartine. Je peux aller chercher mes affaires ?
Oui, bien sûr. Je reviens d'ici 10-15 minutes à peu près, je pense. D'ici 10-15 minutes, très bien. Pas de problème, je vous attends avec impatience. Gardez cette tenue, hein. je vous aime bien comme ça. Bonjour, monsieur Delacour. Bonsoir. Bonsoir. On peut y aller ? Avancez. Oui. Je vous ai raccompagné jusqu'à la porte, monsieur Delacourge. Merci beaucoup. Oui, monsieur Leglaire, pas de souci. Donc nous allons retourner à nos appartements. Oui, on va retourner chez nous. On va voir, est-ce que je te donnais la parole ? Non, tu te tais. Et sur ces bonnes paroles, à tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur Delacour. À la semaine prochaine, du coup. À la semaine prochaine, oui, c'est vrai. Au revoir, monsieur Delacour. Au revoir. Hors de ma vue, hors de mon chemin, espèce de gueux. Avancez, Martine. Un gueux pas très joli, en plus. Ah, vraiment moche, hein. John Cena, après le vaccin, ça fait peur, hein. Eh ben, dis donc. J'aimerais pas vivre longtemps avec ce monsieur. Avancez, Martine. Plus vite que ça. Oui, je cours, je galope, monsieur, je galope. Galopez, tel un Apollon, allez. Je suis votre poney, je cours, je galope. C'est ça, je vous saute dessus. Eh ben, dis donc, va falloir faire quelque chose pour cette Martine, là. Je vais retourner au zoo, moi, pour l'instant. On va aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Ah là là, pauvre Martine, elle a l'air d'être dans un désespoir incroyable. J'espère qu'on pourra faire quelque chose. J'espère pour elle, en tout cas. Sinon, elle est pas dans la merde. Pas dans la merde. Les femmes battues. C'est bien triste. Alors, le zoo. Allons voir ça du côté de chez Monsieur Anto et Monsieur Saver. Bonsoir, monsieur Anto, comment allez-vous? Ces zombies partout. Ah, il y en a partout, effectivement. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va très bien. Oh, que c'est beau! Mais c'est de toute beauté! Ah oui, c'est pas mal cet effet de. Cet effet de roche sur la façade. Ouais, c'est Siver qui a eu l'idée des effets de roche sur la façade. J'avais mis le lierre et après on a fait un fond aquatique. Ah, il y a aussi des vitres invisibles. Oui, on a fait pour pas justement piétiner. Pour pas qu'il piétine le. Enfin, pour que ça garde son. Pour qu'il n'y ait pas de baignade sauvage. Voilà, c'est ça. Et là, on hésite encore à aménager le côté vide ici. C'est très très beau, c'est très très beau. Voilà, il y a un poisson qui s'excite là, au milieu là. Qu'est-ce qu'il a ? Il y a un poisson qui est en train de faire une crise cardiaque au milieu, monsieur Anto. Là, avancez. Ah, oui.
Oh là là, ah ça y est, il va mieux. Ah ben dès que vous... Ah. Bah, c'est radical votre... il va aller mieux dans l'assiette, effectivement. Il va terminer dans l'assiette. C'est radical. Il voulait le débugger, mais il s'est... Il en avait marre. C'est plus que radical, c'est... Oh là là, qu'est-ce qu'il est gros, lui. Oh là là, il y a un gros poisson, là. Du coup, on fera les chemins après, parce qu'on n'a pas encore terminé tous les emplacements pour les animaux. D'ailleurs, il est où perdu sa trace. Il est où, Lenny? Oh, j'ai tué un cochon par inadvertance. Où est-ce qu'il est? Il a disparu. Il s'est fait enlever par les extraterrestres. Il n'est même plus là. Bah si, il est là, mais je vois pas où il est. Ah, mais il est là. Vous le voyez? Il est... Ouais, il... Ouais, il, est il est dans il la est serre. Il est juste au niveau de la serre, là. Il est juste derrière. Ah oui, là, oui, on n'avait pas grandi ici, ouais. C'est vrai. Oui, on n'avait pas creusé, effectivement. Ah, oh, c'est la faille de San Andreas, ici. En parlant de San Andreas, monsieur Anto, je n'ai toujours pas plus d'éléments concernant... la future sortie de la trilogie sur PS5, c'est quand même assez bizarre hein, qu'elle ne sort pas en boîte. Je pense qu'il n'y aura pas de version de PS5. Soit il n'y en aura pas du tout, soit ce ne sera pas maintenant. Donc en fait, vous me dites que lorsqu'il faut acheter la version PS4 pour la boîte, et il y aura une image gratuite pour la PS5 ou les capacités sont identiques? Non, il n'y a pas de image gratuite justement, donc on ne sait même pas en fait. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'en a aucune idée. Il n'y a personne qui est au courant, c'est parce que j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Non, quoi. Non, il n'y a pas de, y a pas d'infos. Pour moi, ça veut dire que le jeu tourne à fond sur PS4. Bah, je suis même pas certain parce que... Comment ? C'était prêt, ça a parlé de 1080p 30 fps, je crois, ou 60 fps, je sais plus. Pour la Switch, j'ai vu ça pour la Switch. Ou alors le 60 fps 1080p, c'est pour la PS4 Pro, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Bah, non, la Switch, c'est du 720, je crois. Même du 720, bah, c'est encore pire. C'est ouais, ce jeu, enfin, en tout cas du 720 en 30 FPS, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah oui, bon, ça oui. Ah, il y a Lenny qui demande à venir. Ah, il est où? Tant pour moi. Vous le voyez? Ah, il est juste là. Juste ici. Ah, monsieur Saver, que se passe-t-il? En tout cas, je le prendrai en démat, je pense. Ouais, je pense que si jamais il n'y a pas de version boîte pour la PS5, oui, effectivement. Donc là, la version PS5, elle sera disponible tout de suite, en fait. Oui, tout de suite, ouais. C'est un peu dommage, je trouve. Je trouve que c'est un peu dommage, quand même. Et... Bah, je trouve que c'est pas compréhensible, surtout, c'est qu'elle n'existe pas... Bon, à part sur PC, parce que, bon... Sur PC, voilà, il y a plus sur PC, c'est devenu la norme, maintenant. Hein. Voilà. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des versions boîte sur tous les supports, sauf la PS5. Mais bien sûr. Ça n'a pas de sens, en fait. Aucun sens, effectivement. Aucun et sens. Et même, admettons, il y aurait une mise à niveau gratuite, il y a des gens qui voudraient avoir le jeu en disque, en version disque, donc ça reste un non-sens quand même. Je ne comprends pas cette... Je vois pas qu'est-ce qui peut bloquer le développement en disque, parce qu'il va sortir sur en démat. Donc c'est juste le CD à presser, donc il n'y a pas de contrainte particulière. Après, quand j'ai vu pour Cyberpunk, au final, le jeu ne tourne pas s'il n'y a pas de mage, donc ça revient au même. C'est comme si tu avais une version démat, en fait, hein. Puisque quoi qu'il arrive, tu désinstalles le jeu, tu n'as plus internet, tu ne peux pas y jouer. D'ailleurs, le contenu qui était promis sur le Cyberpunk, il est annulé et repoussé l'année prochaine seulement. Ouais, c'est ce que j'ai vu là, ça part en cacahuète là.
complet. Bah, c'est des projets de trade, ils sont passés de... Comment dire, de numéro 1, enfin voilà quoi, de studio référence à studio qui se fait. Studio qui est parti en cacahuète, hein, clairement. Ce qui est un peu dommage, c'est que même la mage The Witcher est repoussée, quoi. Bah ouais, de par le fait, ouais, c'est repoussé aussi. De toute façon, c'est pas, je m'en doutais, c'est pas prêt, ça sera pas attendez, avant. Attendez, laissez-moi, laissez la paille. On va peut-être s'en servir. Ah, le trou, ah, vous voulez vous servir de la faille de San Andreas de... Ouais, pour faire une petite descente et peut-être un accès aux chauves-souris, ça serait cool. D'accord. Ouais, d'autres aides. Par contre, on met quand même de l'herbe. Ouais, mets de la terre, mais c'est-à-dire que là, le tout... Ici, tu remplis pas. Je trouve ça un peu dommage, quand même. J'aime pas le démat et j'aime pas le démat du tout. Moi, je préfère la version boîte aussi. Je préfère toujours matérialiste. Enfin, c'est pas qu'une question... Pour moi, c'est pas la question de l'écologie. Elle est... Enfin, je sais qu'il y en a, ils veulent dire que c'est plus écologique en démat. C'est pas vrai. Enfin, voilà. C'est pas vrai. Le démat bouffe aussi en ressources, donc dans tous les cas, il n'y a pas d'écologie totale. Oui, le transfert de données, ça pollue aussi, hein, faut le savoir. Hein. Ben, ça pollue, et en plus de ça, le transfert de données, ça pollue, et en plus de ça, enfin, je suis désolé, genre, j'ai toujours cette sensation, c'est même encore maintenant, à part quand il n'y a pas le choix, mais pour moi, quand j'achète en démat, j'ai l'impression d'acheter du vent, en fait. C'est ça. Enfin, c'est... J'ai pas la sensation comme... Déjà, je l'ai moins parce que je suis plus grand, mais quand on était petit, à l'arrière de la voiture, du bus ou des choses comme ça, avec le CD, la boîte, enfin tout ça, ça se perd et au profit du téléchargement. Alors ouais, il y a une rupture de stock, ça prend moins de place chez soi et tout, mais en attendant, on est propriétaire de quelque chose qu'on possède même pas vraiment, au final, on est propriétaire de rien du tout. Si le store est amené à s'arrêter un jour, tu perds tout, quoi. Bah, moi qui... Ça veut dire que le jeu, tu l'auras loué. Tu l'auras loué. En fait, c'est de la location sur le long terme. Donc c'est ça que les gens comprennent pas. C'est... Eh oui. Et c'est pour ça que le Game Pass, moi, je suis pas... Alors oui, pour l'offre pour jouer, c'est bien. Mais le jour où le truc... Mais le Game Pass, c'est différent. Tu sais déjà que quand tu t'inscris, c'est temporaire. Là, on te fait croire que le jeu, tu l'auras à vie, alors que j'en suis sûr que non. Sûr que non, puisqu'un jour, ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera. Je pense pas que... C'est une technique pour... comment dire, de l'avoir toujours en accès, enfin, valide, même... On a commencé à le vivre avec la PS3, même si la PS3, elle a maintenant plus de 13 ans, 14 ans, elle est sortie en 2007. Il n'est pas censé fermer, d'ailleurs, le store PS3. Et ils ont prolongé parce que les joueurs ont contesté, mais du coup, ce qu'ils ont laissé, c'est uniquement les jeux que tu avais achetés, ben, tu pourrais les retélécharger. Donc tu pourrais les retélécharger, mais ça va durer encore qu'un certain temps. Ça a été repoussé parce que les joueurs ont gueulé. Mais on est exactement à ce moment charnière où tout ce que tu as acheté, parce que c'est la première génération de consoles où tu commençais à acheter sur des stores, on est d'accord, la PS3. Hein. PS2, il n'y avait pas de store, on est d'accord. Et ils ont, si je me souviens bien, ils avaient bien dit qu'ils arrêtaient le service à la base. Bah, en fait, ils devaient l'arrêter, mais là, ce qu'ils ont arrêté, par contre, c'est l'achat. Enfin, ils ont coupé un truc, là. En gros, il faut passer par des cartes prépayées ou... Ouais. Ou une connerie du genre. Ils ont arrêté, là, il n'y a pas longtemps, un truc... ils ont rendu impossible l'achat via je sais plus quel procédé. Mais ça, ils l'ont coupé. Mais de toute façon... En fait, le problème, c'est que la console, elle est encore jouée... Enfin, elle est... Forcément, la PS4, elle est devant, mais il y a des pays où, à mon avis, genre les pays comme Sud-América, comme le Brésil, où les consoles, elles sortent assez tard avant. Je pense à la PS2, elle est sortie, je crois, en 2009, un truc comme ça, la PS2. Ouais, mais il n'y a qu'une génération d'écart. Là, ça fait deux générations d'écart, la PS3.
Donc mais... le Brésil, là, ils en sont à la PS4, en fait. Mais du coup, ouais, je sais pas, enfin, ça fait flipper quand même, parce que bon... Ça veut dire que j'ai... Plus... moi, j'ai acheté des jeux sur la PS3. J'ai acheté des jeux, j'ai téléchargé du PS Plus sur la PS3, tout ça n'est plus accessible. Même si je suis... tout ça ne devait plus être accessible, c'est ce que je veux dire. Tout ça ne devait plus être accessible, clairement. Parce que tu ne pouvais même plus... tu ne pouvais plus acheter. Là, actuellement, ce qui est prévu, c'est de ne plus pouvoir acheter. Mais de... mais tu pourras retélécharger les jeux qui ont été achetés déjà. Donc on te laisse quand même accès à ta bibliothèque. Le problème, c'est qu'ils avaient dans l'idée à la base de supprimer complètement. De supprimer entièrement, même ce que tu avais acheté. Et c'est là où on est à la fin d'un service. Et c'est là où c'est de la location. Le problème, c'est que les gens gueulent sur le PlayStation Plus en disant que c'est de la location, mais c'est le même principe pour un jeu que tu achètes sur le store. Au final, si demain... Au final, c'est la même chose. Couper, mais le problème, c'est que c'est un peu... comment dire ? C'est particulier parce que autant ils veulent probablement qu'on garde nos données, mais le problème c'est que ça stocke des données toujours plus grandes, quoi. Donc il y a un amas de données qui se crée, donc et tu peux pas nous priver à la fois. Enfin, tu veux faire des économies aussi, peut-être polluer moins en virant des trucs, mais le problème c'est que si tu fais ça, t'enlèves le contenu aux gens et c'est du contenu que tu as acheté, donc c'est pas possible. Enfin. C'est de la mal... enfin, ça serait malhonnête, quoi, mais je vois pas comment ils vont faire, à moins de mettre un truc sans DRM. Et ça avait... enfin, c'est... je crois que c'est comme ça que GOG fonctionne, c'est qu'en gros, même si un jour GOG disparaît, ils auront toujours accès à leur jeu dans tous les cas, mais je sais pas comment ils font. Bizarrement, il y a que bizarrement, il y a que Nintendo qui l'a fait et ça a pas gueulé avec la fin de des services 3DS. Je pense que Nintendo non pas 3DS et... des services ouais, parce qu'ils proposent des remasters tout le temps, donc finalement est-ce que oui, mais c'est le même principe, et je pense que Sony veulent faire la même chose parce que ils savent qu'il y a des remasters qui pourront être remis en ligne. C'est pas faire de l'anti-Nintendo, mais je trouve que Nintendo, enfin, chacun à son tour en fait, mais je trouve que Nintendo comme Sony ou même Microsoft, il y a une complaisance envers eux qu'on devrait pas avoir. Genre, on devrait pas tolérer 50 000 remasters sur une console. Ok, le jeu il a bidé sur la support d'avant, machin, un truc, ok. Mais je trouve qu'on est tolérant avec, des fois avec les trois, peu importe qui ça, pour des trucs on devrait même pas être tolérant justement. Ouais, c'est vrai. Enfin... Il y a certains trucs. Après, ils peuvent se permettre parce qu'ils ont une fanbase de joueurs. Mais le problème, c'est que c'est con. Je m'inclus dedans, hein. Mais un fan, c'est con quand il s'y met. Et du coup, il pardonne des trucs qu'on devrait même pas pardonner en soi. Mais bon. C'est le fan, hein, il réfléchit pas de la même manière qu'un consommateur plus occasionnel, quoi. Donc, du coup, on n'a pas le même point de vue. Mais, enfin, genre, je pense aux Mario, les Mario que t'as fait sur le truc, c'est la version Switch là avec les trois. Ah oui, c'est voilà, oui, c'est ça, c'est ça. Je trouve que c'est une bonne idée, mais c'est dommage qu'ils ont pas retouché. Mis à part la version HD, rien n'a bougé. À part le lifting, voilà, c'est tout. Et c'est dommage parce que bon, ils auraient peut-être pu faire un truc plus encore mieux entre guillemets. Enfin, genre l'Unreal Engine, il aurait pu servir pour Mario 64, par exemple, pour faire un peu comme ils ont fait avec GTA. Tout à fait. Il y a eu. Je pense qu'ils voulaient rester sur le côté nostalgique du visuel d'origine. Tout en lissant avec la HD, mais... Ils auraient pu le faire avec comme GTA. GTA, je trouve qu'on garde la saveur d'origine sur la... On l'a gardé. Pour ça, ils n'ont pas déconné. On garde quand même l'esprit cartoon. Moi, c'est ce qui me faisait peur, parce que, genre, il y en a beaucoup qui voulaient un remake total. En mode photoréaliste. Mafia. Voilà. Ou en mode mafia, comme le mafia qu'ils ont tout refait. Alors, certes, ça aurait mis une claque, mais ça aurait perdu la saveur d'antan. Oui, je pense qu'ils ont bien fait de faire ça aussi, je pense que c'était le meilleur compromis à faire. Ils ont bien fait de faire ça.
Mais j'ai hâte. Enfin, de... moi, j'aurais fait pareil. Moi, j'ai hâte de voir quand même un peu de gameplay en... avec le mode, quoi, avec le gameplay de GTA V. Ça peut être vraiment sympa parce que c'est vrai que ça avait bien vieilli. Hein. Ah, ils auraient mis le gameplay, ils auraient conservé, ils auraient fait la remasterisation. Ah, le moteur de jeu aurait été le même, visuel du moins, aurait été le même. Enfin, celui qu'on va voir là, avec le gameplay de l'époque, ce serait clairement pas passé. Enfin, c'est archaïque au possible. Quoi. Heureusement, ils ont changé ça. Parce que... Après, il faut voir à quel degré ils l'ont changé. Parce que c'est bien beau de dire dans le style GTA V, mais on n'en sait rien. Il n'y a pas de gameplay, il n'y a rien qui circule. Donc, il faut quand même faire attention. Quoi. À voir, hein. À voir. Mais... Il y a beaucoup, beaucoup de remakes en ce moment, mais bon, on est preneur en même temps. Ça dépend quoi aussi. Hein. Bah, en fait, le problème c'était que les remakes ils vont pas s'arrêter tant que la pénurie de consoles elle va continuer à perdurer tout à comme fait. Ça, parce qu'ils ont rien à proposer en fait. Tout ce qui est proposé c'est décalé 2022, 2023. Enfin, c'est des trucs. Et tant que ça se vendra comme des petits pains, pourquoi ils s'arrêteraient de le faire ouais, c'est, oui. C'est ce que j'expliquais, c'est que pourquoi ils font pas de consoles full de rétro, parce qu'ils savent que les remasters et les remakes ça marche, donc tant qu'ils peuvent se faire de l'argent ils vont continuer, et en plus de ça tant qu'il y aura des gens qui vont faire des scalpers et qui vont acheter des consoles pour la revendre trois fois le prix, et tant qu'il y a des gens qui vont continuer à acheter des consoles trois fois le prix, cette pénurie là s'arrêtera jamais. Donc tant que les gens comprendront pas que les acheteurs sont aussi fautifs que les gars qui le revendent, je vais pas dire d'insultes parce que on est en stream et tout, mais tant qu'ils seront aussi bêtes que les gens qui sont déjà bêtes pour acheter ces consoles là et les revendre cher, bah on en restera là quoi. Composants, pénurie composants ou pas, on restera à ce stade-là. C'est uniquement pour ça que j'ai pas annulé ma précommande, parce que je savais très bien que ça allait être une catastrophe pour en avoir. Oui, déjà une catastrophe de base. Ben, je l'ai pas connu sur la PS4 parce que je l'ai acheté tard. Et oui, parce que moi je m'en foutais à la limite. La PS4, je m'en foutais, je me disais il n'y a pas de jeu, c'était exactement le même début de génération. Au début, moi la première année sur la PS4, et je l'ai eu presque 6-7 mois après. J'ai joué qu'à des jeux PS3, je jouais encore avec ma PS3, et bon, il y avait quelques exclus, mais au final, voilà, une fois que t'as cramé tes exclus, tu retournes sur l'ancienne console. Les mises à niveau à 10€, comme on est pour Battlefield, les mises à niveau à 10€, quoi, et pour c'est les vrai, faire en... C'est vrai que c'est la première fois que j'ai voulu une console à ses débuts, et j'étais surpris de voir que c'était une galère à trouver, quoi. Ah ben c'est pour ça, moi c'est la seule console que j'ai eu Day One, et moi j'en ai pas eu d'autres, parce que déjà j'avais pas les moyens, et puis surtout j'étais encore jeune aussi selon les consoles. Quoi, mais, de quoi ? Il y a pas la même hype. Oui, il y avait pas la même hype. Showcase, plein d'exclus et tout. Genre. Et oui. Le problème c'est qu'avant les consoles, entre guillemets, le grand public, ils en avaient rien à cirer de... des ruptures de stock, parce qu'il l'achetait jamais, au lancement. Eux, ils l'achetaient en pack familial, je sais pas, ils l'achetaient pour leur gamin avec 3-4 jeux en pack l'année d'après ou 2 ans après. Il y a que les hardcore gamers en général qui achètent leur console Day One, ou les gens qui sont, qui connaissent bien ce domaine-là. Sauf que maintenant, il y a tellement de gens qui jouent, même occasionnellement, que même le Day One, ça leur pose plus de problème. Donc, bah, du coup, tu as le public quand même du assez Day... tout entre eux. Ouais, voilà. C'est un jeu occasionnel. Mais t'as les gens qui veulent acheter leur console Day One, qui eux, forcément, ils vont pas attendre et la veulent. Et t'as le grand public qui, à la base, l'achète jamais Day One, qui commence à s'y mettre parce que c'est devenu la mode de jouer aux jeux vidéo. Non, mais il y a de plus en plus de monde qui joue. Quoi. C'est le premier média culturel au monde, c'est pas pour rien. Ils mangent l'industrie du disque, du cinéma, ce que ouais, tu veux. Ils ont bouffé tout le monde. Partout. Et le confinement, c'est pas pour rien que l'OMS, ils font machine arrière. Quoi. Au début, c'était c'est pas bon de jouer aux jeux vidéo parce que c'est dépendant et gna gna gna. Il y a le confinement qui est arrivé et on vous recommande de jouer. Donc ils savent même pas ce qu'ils racontent eux-mêmes. Quoi. C'est, voilà. C'est bien la preuve que... c'est. En fait, ceux qui catégorisent le jeu vidéo d'une cette manière-là, c'est les médias généralistes qui comprennent pas... Enfin, qui veulent parler de jeux vidéo, mais qui savent pas en parler. Ils en parlent pas de bonne manière. De toute façon, quand tu vois que t'as des chaînes télé qui disent Dynasty au lieu de Destiny, c'est la preuve qu'ils connaissent rien aux jeux vidéo.
Si tu veux parler d'un sujet, maîtrise-le. Ou prends des journalistes high-tech ou des machins qui maîtrisent le sujet. Quoi. Prends Dynastie. Pas des mecs. Dynastie, ils ont appelé. À la sortie de Destiny, alors un nouveau jeu qui est tendance, qui s'appelle Dynasty, c'est sur M6. Bah non, non, mon ami, c'est pas Dynasty, c'est Destiny. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est comme quand ils ont présenté Tomb Raider premier du nom, la nana, elle tenait une manette de NES dans les mains. Tu m'expliqueras le jour où Tomb Raider est sorti sur NES, quoi. La console, elle explose direct. Hein. une bombe à retardement, le machin. Enfin, voilà, c'est prendre les gens pour les joueurs et les joueuses pour des cons. Je suis désolé, mais va pour j'ai besoin d'un avis extérieur là. Je viens de bosser sur un truc. Vas-y, t'es où là? Putain, mais ça prend pas. Attends, parce que là, t'es enfermé chez moi, je te vois pas. Si, dans la faille. Dans la faille, oui, voilà. Escalier là, faudrait que je le raménage. Ouais. Bien sûr. La faille de San Andreas. Est-ce qu'il y a le Bigfoot comme dans San Andreas ou pas? Mais qui existe pas d'ailleurs. Ouais. Ouais. Il y a un truc à l'intérieur, non? Ouais, il y a des animaux. Je vais voir ça de mes propres yeux. Ah, vers nous, vous voyez rien, excusez-moi. Ah ouais. S, C, A, je crois. Ouais, bon, tout le monde l'a eu, mais tant pis. Voilà, au moins, vous voyez. Je mettrai plus de luminaires, mais c'est. Voilà ce que ça donne. Ah après, ouais. Faudra creuser juste l'accès, quoi, mais ouais, c'est une bonne idée. L'accès, entre guillemets, est déjà creusé, c'est juste qu'il faudra mettre des escaliers un peu propres. Ouais, faire un aménagement, ouais. Puis peut-être partir dans d'autres sens ou quoi pour aller ici et mettre les chauves-souris. C'est pas mal le dégradé là avec l'herbe. Ouais, dégradé naturel. Ouais, vu qu'on change le biome, ça donne un effet un peu. Pas ouais, qu'on change tous les murs aussi. Oui, bon, les murs. Il faut pas qu'on bosse uniquement sur le zoo. En fait, il faudrait qu'on fasse d'autres projets en même temps pour pas être en surdose et faire n'importe quoi. Bah, ouais, mais le problème c'est que. Faut trouver les gens qui veulent faire un truc, puis il faut trouver un truc. Ça c'est compliqué. On a déjà essayé de faire plusieurs projets en même temps, mais après tout se mélange, les gens sont perdus. Ouais. C'est vrai que. Et puis on n'est pas, mine de rien, on est beaucoup, mais on n'est pas beaucoup à faire des projets aussi. Et oui. Souvent c'est Doc qui les fait, ou alors c'est moi ou toi. Ou tu vois, Evanco. Ouais. Voilà, ou Evanco. C'est les constructeurs, c'est ceux qui aiment la construction. Voilà, il y en a, ils sont nuls en construction, tu vois. Donc, moi déjà, je m'améliore un peu à chaque fois, mais je suis pas non plus. Voilà, je suis loin d'être le meilleur là-dessus. Je suis pas les mécaniques. Mais. Pour l'instant, on fait pas de la décoration intérieure. Ouais, bah ça t'appelleras Valérie Dami Doom comme le trophée là, sur Doom Eternal. Là. Valérie Dami Doom. Il y a un trophée qui s'appelle Valérie Dami Doom quand tu peux un des boss. C'est des maths. Ouais, c'est. J'ai en train de me demander avec le ray tracing, là, ils ont pas fait de version PS5, t'empêches du jeu. Hein. Non, pas encore. Ça arrivé. Hein. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ça risque d'être. Ouais, je sais pas. Ça risque même d'être... sur la Switch OLED avec les noirs et tout, là, les couleurs noires et tout, ça peut avoir un impact aussi. Ouais, mais t'auras pas le ray tracing sur Switch, hein. C'est mort. Hein. Ah ouais, non, bah c'est mort. Hein. Bah, mort. S'il l'a pas sur PS4, il l'aura pas sur Switch. Quoi. C'est mort. Non, mais je pense qu'ils vont garder l'exclu pour la Xbox One X. Non, la Xbox Series X. Je pense. Mais si, ça va venir sur console, mais ça viendra bien après. Ça viendra bien après, une fois que ça sera maîtrisé. Est-ce que ça sera un ray tracing poussé ou est-ce que ça sera un ray tracing light comme. Parce que, genre, c'est comme Hitman 3. Tout le monde pense qu'il y a du ray tracing sur Hitman 3, sauf que c'est un procédé qui simule le ray tracing. Le vrai ray tracing sur Hitman 3, il est en développement, il n'est pas encore fait. Je pense que ce sera comme ils ont fait avec les cartes Nvidia sur PC. Hein. Après, moi, l'espèce de faux ray tracing de Hitman 3 sur Minecraft, je le prends tous les jours, hein, parce que tu vois même pas la différence. Quoi. C'est... Non, mais t'as vu ou pas les photos sur. Je suis désolé, je vous quitte. À plus tard. Je suis convoqué à la mairie. Bon courage avec monsieur dans la cour de derrière ou je ne sais quoi. Merci bien. Et toi.
Ouh là là, je suis convoqué à l'Amérique, carrément. C'est pas très RP ce que je fais, mais... je le fais, je suis désolé. C'est pour gagner du temps. Monsieur de la Cour, mes respects. Comment allez-vous? Je vais très... en fait, non. En fait, oui, mais... Petite nouvelle, Martine, je viens de la retrouver pendue. Quoi? Oui. Et vous me dites ça comme ça? Effectivement, bon, c'était qu'une gueule parmi les autres, mais oui, je viens de la retrouver pendue. J'étais en train de m'habiller, et j'entre dans le salon et je vois Martine pendue. Je vous ferai payer ce crime, monsieur de la Cour, sachez-le. Comment je vous ça, regarde ce crime les yeux. Attends. Je vous regarde les yeux dans les yeux. Regardez-moi les yeux dans les yeux. Yeux dans les yeux, ne bougez regardez-moi, plus. Regardez-moi. Les yeux dans les yeux, levez la tête. Baissez la tête, vous. Je vous regarde vous les yeux dans les vous yeux. Vous savez qui je suis, vous savez qui je suis. Je vous ferai payer ce crime. Monsieur Leclerc, vous êtes sûr? Oh, là, je prends en otage votre voix, moi, sinon, si vous faites ça. Vous savez pas de quoi je suis capable. Attention, restez poli dans la limite des stocks disponibles, je vous le dis. Dans la limite, on n'est pas chez Leclerc, monsieur le maire. Entrez dans votre bureau. Déjà, je rentre dans mon bureau si je veux, parce que là, je suis très en colère. Je vous ai vu la maltraiter, et plusieurs fois. Et vous y avez pris goût, n'oubliez pas, monsieur le maire. N'oubliez pas vos... Hein? Ouais, regarde pas comme ça. Allez. J'ai rien pris goût du tout, moi, vous allez voir. Oh, vous y prenez plaisir, vous étiez là. Oh là là, Martine, oh, vous avez raison et tout ça. Allez, asseyez-vous. Je m'assois. Oh, déjà, tu me parles un peu mieux, je te le dis. Moi, je suis pas ton. Fais pas ton charmant, je te le dis. Mais vous voilà, voyez-vous. On va commencer à être sérieux tous les deux là. On va commencer à parler business. Attention, parce que avant d'être maire, j'étais mafieux. Ouh là là, j'ai peur. Allez, asseyez-vous et je m'assois. Oh là là, c'est quoi vous... Oh, on est vraiment dans un vieux bâtiment, là. Bref, du coup, oui, Martine est morte. Donc, triste nouvelle, hein. Enfin, pouf. Les gens meurent tous les jours, à vrai dire. Va falloir que je trouve quelqu'un pour la remplacer. Est-ce que vous avez des gueux disponibles chez vous? Regarde entre les jambes, tu trouveras un gueux. Entre les jambes. Tu trouveras une gueule, tu verras, entre les jambes. J'ai trouvé un petit truc, j'ai trouvé un petit objet entre vos jambes, oui. J'ai trouvé un petit objet, effectivement. on va commencer à parler sérieux tous les deux, ça va... On va commencer, business is business. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, effectivement. Tu verras. Donc, oui. Tu verras. Donc, voilà. Ce que t'as fait à la Martine. Oh, la pauvre Martine. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oula. Je vous ai attendu toute la nuit. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Sortez de la pénombre. Oh my god. Oh my god, ça fait peur. Oh là là. Ça. Vous m'avez retrouvé pendu. Dans le salon. Oui, je vous ai détaché. Vous m'avez détaché, vous n'auriez pas dû. Vous avez relâché mon esprit. Et je suis là maintenant. Et monsieur le maire, je vous invite la semaine prochaine pour une fête macabre dans notre manoir. Ce n'est pas le manoir de la Cour, mais le manoir de Martine, l'esprit. Décarpissé. Non. Ça, l'esprit. Comment vous parlez comme ça, un esprit? Vous n'êtes qu'une gueux, qu'une catin que j'ai maltraité toute. Vous aussi, je vous attends la semaine prochaine. Vous allez faire quoi? Me hanter, me posséder? Je rigole bien. Tout ce qui se passe depuis le début dans votre manoir, je pense que vous n'étiez pas très serein quand vous voyez les dames en train de bouger dans le salon. Oui, et? Je pense que ce qui va se passer la semaine prochaine sera bien. J'attends ça avec impatience, à vrai dire.
Allez, retournez danser avec, avec les fantômes. La semaine prochaine, je viendrai vous rechercher. Eh oui, c'est ça. Vous savez que c'est... Blablabla. Parlez comme ça. Oh là là, j'ai peur. S'il vous plaît. Crions, monsieur Leclerc. En tout cas, vous stressez, vous arrêtez pas de bouger. Je suis très content que l'esprit de Lamartine soit revenu pour vous hanter. Elle m'entra pas, c'est moi qui vous hante. Je vais hanter toute sa vie. Mais vous, mec, elle va me hanter maintenant. Monsieur Leclerc, je vous laisse pas le fier non plus. Oh là, oh là. Merci. Allez, allez. Mais j'étais gentil prends avec ça. Vous, madame Lamartine. Taisez-vous. Prends ça. S'il vous plaît. Vous me faites peur, arrêtez, vous me faites peur. Vous me faites peur. Ne me regardez pas. Ne me regardez pas. Ne me regardez pas. La semaine prochaine. Merci. Le manoir. Au secours. Oh my god, ça fait peur. Au secours. Oh, ça fait peur. Et sur ce moment fatidique, nous nous quittons et nous retrouverons la semaine prochaine, peut-être vendredi soir au lieu de samedi soir. Je vous préviendrai, mais là, franchement, j'en avais des frissons. Cette voix m'a frigorifié. Je vous remercie d'avoir été présent lors de ce live. Merci à tous les participants. Merci Chef Puma, merci Docteur Nintendo, merci Dolan, merci Anto, merci Saver, merci Event, merci à Chen Xiao qui était là aussi. Un grand merci à vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi ou samedi, je vous préviendrai. Merci à tous ceux qui sont passés sur le chat, Kevin, Walibi, Big Matt. Merci beaucoup. Je vais faire... des cauchemars. Plus dans le bus, à bientôt dans le métro. Oh là là. Oh là là, j'ai vu un éclair. À bientôt dans le métro, à la revoyure, dans la voiture. Et à jamais dans le tramway.